Bonsoir à tous. Ouais. Ils sont partis fumer. Ouais, bah tant pis. Hein. C'est bon? Bien. Oula. Bonsoir à tous. Il est 20h02. On va commencer le conseil municipal. Donc, je vais commencer par l'appel. Alors, Alain Dosias, présent. Rémi Godard. Présent. Marie-Yvonne Ménian. Présent. Julien Seyé. Frédéric Doisy. Présent. Benoît Baudry. Présent. Amélie Ménard. Présent. Régis Prudhomme. Présent. Bénédicte Penn. Présent. Jean-Philippe Ropers. Présent. Eliane Fouché. Présent. Philippe Estrade. Présent. Nathalie Santon-Ardouin. Katia Botoncuo, Christophe Loquet, il est absent, la procuration c'est moi. Nathalie. Armel Genon, absent, j'ai sa procuration. Cédric Machefer, présent. Delphine Richard. Aurélie Chausse-Pied. Présente. Amandine Raymond. Absente, j'ai sa procuration. Aurélie. Stéphanie Allais. Oui, c'est Julien, non, c'est ça? Oui. Absente, donc Julien Seyé. Séverine Marquis. Absente, j'ai sa procuration. Ludovic Morin. Olivier Pinon. Alain Dosias, procuration. Ingrid Lerouche-Sylvestre. Thomas Grippon. Lénie Bretonne. Claudette Turc. Jean-Michel Minot. Thierry Belmont. Didier Leget. Audrey Guillemot. Présente. Et Magali Cochin-Papin. J'ai sa procuration. Absente. Oui. Bien, bah, le quorum est atteint. On va pouvoir démarrer la séance. Le quorum est vérifié. La désignation d'un secrétaire, c'est Cédric Machefer. Passer. Je passe à l'approbation du procès-verbal de notre séance du 8 avril 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y a pas d'observation? Donc je passe au vote. Non. Qui vote contre? Donc abstention. Le procès-verbal est adopté. Je n'ai pas reçu de questions pour le conseil municipal, ni des conseillers, ni d'habitants. Avant de passer à la délibération, j'aimerais faire des observations, des commentaires.
Ce n'est pas une déclaration, c'est simplement vous informer, vous l'avez tous vu, que cette semaine a été riche en événements. Il y a eu deux événements importants, à mon sens, pour la commune. C'est la journée Terre de Jeux, le 23 mai, et ensuite la journée citoyenne, samedi, dans le cadre de la fête du printemps. Alors, il y a cette fête, journée citoyenne a été préparée longuement à l'avance. Elle a, pour se construire, cherché à réunir le maximum de gens, d'avis, d'idées. Donc, il y a eu une petite réunion publique qui a été organisée. Il y a le comité consultatif biodiversité qui a été sollicité. Il y a différentes associations qui ont participé. Donc, j'y remercie tous les gens, les élus aussi qui ont beaucoup participé à la fois à la préparation et à la fois à la réalisation. Je remercie aussi beaucoup les services techniques qui ont pu apporter tout le matériel dont on avait besoin aux différents postes organisés. Je rappelle qu'il y avait une douzaine de postes d'animation qui allaient depuis une exposition ici en salle de mairie jusqu'à une haie sèche du côté de la route là-bas de la vallée, là, jusqu'à l'école de G, la maison de pays, les scènes de théâtre qui étaient très intéressantes, qui ont animé un peu la rue, donc grâce à l'association Scènes de Théâtre, hein, c'est une quinzaine de jeunes qui ont fait ça, alors, parce qu'il y avait une sépulture du côté de l'église, le matin ça s'est déroulé sur le parvis de la mairie, c'était vraiment très bien, et puis bon, il y avait plein de petits ateliers, des dessins naturistes, de la couture, la protection des hérissons, le tri des déchets. Enfin, il y avait beaucoup de choses donc, qui tournaient autour de la citoyenneté. L'esprit de cette journée, c'est faire ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est un peu l'idée de cette journée. Je rappelle qu'elle est de portée nationale. C'était dans toute la France qu'il y avait cette manifestation. Alors, elle n'a pas l'aura que peut avoir la journée du patrimoine, mais c'est dans le même sens. Donc là, en France, il y avait 1215 communes qui organisaient cette activité, cette manifestation citoyenne. Mais bon, je pense que les années après les années, ça va se savoir. Et peut-être que les télévisions et les radios parleront de cette journée citoyenne, comme ils parlent des journées du patrimoine. Nous avons fait une publicité locale, pour ce qui concerne la publicité habituelle. Ça a été bien fréquenté. Au pique-nique, on était une soixantaine. Il y avait un pique-nique donc organisé à l'hôpital qui accompagnait les anciens qui étaient là. Donc, les anciens nous ont gratifié de deux petits temps vraiment sympathiques qui m'ont beaucoup, beaucoup ému. C'est une personne, une dame, a récité une fable de La Fontaine, puis un monsieur qui a chanté. Et c'était vraiment très, enfin pour ma part en tout cas, c'était très émouvant. Et puis il y a eu les nichoirs, une quarantaine de nichoirs ont été construits. Et la journée s'est clôturée par un pot qui était dans la cour de la mairie, où donc on a terminé gentiment et correctement cette belle journée citoyenne. Voilà, je voulais le faire savoir et j'insiste pour remercier tout le monde, des agents aux élus, en passant par les citoyens qui se sont déplacés, qui ont participé. Pour les nichoirs, c'était sympa parce que c'est papa-maman qui arrivaient avec les enfants, qui ont, donc après ils ont vissé les planches. C'était vraiment bien. Et puis il y a l'autre journée, la journée Terre de Jeux 2024, qui est dans le cadre de l'Olympisme, des Jeux de Paris 2024. Donc c'est grâce au département qui nous a offert cette journée. Je vais dire le prix, elle a coûté 1800 euros au département. Donc il nous l'a offert grâce à l'appui de Madame Marie-Pierre Martin, qui est vice-présidente du conseil chargée du handicap. Grâce à son appui, ça a pu avoir lieu à Beaufort en Anjou. Et donc ça consistait à 9 postes, donc ça concernait déjà tous les élèves de CE2, CM1, CM2 de nos 3 écoles. Ça s'est déroulé, on a eu la chance avec la météo. D'ailleurs pour les 2 jours, on a eu de la chance avec la météo. Ça s'est déroulé donc sur le stade Roger Serrault et puis le gymnase de la tannerie. Donc il y avait des postes, tous animés par... alors ça se faisait sous l'égide du CDOS, c'est-à-dire le comité départemental olympique et sportif. Donc il y avait 6 animateurs CDOS qui étaient là, qui accompagnaient donc les enseignants. Alors il y avait 213 enfants, et qui étaient donc répartis sur 9 postes. Ils ont découvert des sports qu'ils ne connaissaient pas forcément, notamment l'escrime, le tir à l'arc, le tir au pistolet laser... Il y en avait beaucoup, donc du handball,
du basket. Et j'en profite pour remercier aussi les associations qui ont bien voulu participer. Donc on a l'association de handball, hein, Cédric, c'est ça? Association du handball et du basket qui sont venus, donc des membres, des bénévoles des associations, pour montrer comment on jouait au basket et au hand aux enfants. Donc le but, c'était de faire découvrir le sport aux enfants, essayer de continuer par la suite. Et puis c'est aussi un moment collectif, donc à partager à tous. C'était sur le temps scolaire. Hein. Et donc d'avoir développé le sens de l'amitié, du respect les uns envers les autres. Donc c'était une belle journée. Grâce au département et grâce aussi au GDOS donc, qui a offert ses animations et ce matériel. Donc ce sera pour nous, ça sera à poursuivre dans cette même idée dans l'année 2024-2025, l'année scolaire prochaine, pour tenter de continuer à favoriser le sport auprès des enfants pour qu'ils continuent à avoir une pratique sportive, qu'elle soit individuelle ou collective du reste, mais inciter à faire du sport. Ouais. Voilà, je voulais passer ces deux moments forts de notre commune dans la semaine, entre le 23 et le 25 mai. Voilà. Oui, monsieur Belmont. Oui, je me permets de revenir sur la journée olympique, justement, qui s'est très bien déroulée. Et vous l'avez très bien dit, je ne vais pas rajouter. Je me suis félicité aussi de tout ce qui était proposé aux élèves cette journée-là et à tous les élèves des trois écoles. Par contre, notre interrogation reste sur la suite, c'est-à-dire que vous avez bien insisté que cette journée, elle était financée et prise en charge par le conseil départemental, animée par le GDOS et d'autres. Je crois qu'il y avait aussi la DMR, il me semble, il devait y avoir des jeunes ou de familles rurales. Ou de maison rurale, enfin bref. Je crois pas. Donc la question, elle est sur la suite, c'est-à-dire que on n'a pas senti dans les subventions aux associations sportives que justement il allait y avoir une aide pour tous les clubs qui allaient justement poursuivre, suite à votre proposition, éventuellement les animations dans les écoles. Et donc, voilà, on s'étonne sur la suite qui va en être donnée au niveau des moyens pour que les associations puissent continuer à bien vivre à Beaufort et puis éventuellement avoir des moyens supplémentaires pour intervenir dans les écoles s'ils en ont besoin, quoi. Oui, alors on va définir notre politique sportive, comme je l'ai dit, on ne va pas rester sur un seul moment de celui-ci qui n'est pas de notre financement. Mais on va, avec les responsables des associations, avec nos idées et avec les enseignants, définir. Et puis, il y aura certainement, quand je vois cette journée, bah, si on veut, par exemple, continuer sur le tir à l'arc, il faudra acheter du matériel, hein, pour les mettre dans les écoles. Donc ça pourra s'envisager, pas cette année, bien sûr, l'achat de matériel, parce que nos investissements sont bouclés. Donc, ce sera plutôt pour l'année 2025. Et je pense qu'on pourra redémarrer des choses simples et amener avec notre animateur Yanis Guignon, qui a beaucoup œuvré à la mise en route de cette journée, hein, avec Cédric, notre conseiller. Donc, on va continuer de mettre en place cette politique tous ensemble. Et les associations parties prenantes, on verra si ça leur demande de mettre de l'argent, j'en sais rien. Hein. Pour l'instant, c'est complètement ouvert. Mais l'idée, c'est bien de continuer. C'est pas une journée, comme je l'ai dit, et one shot, non, c'est pas ça qu'on veut. C'est que ça continue d'une certaine façon tout au long de l'année scolaire, qu'il y ait plusieurs rendez-vous d'animation. Alors, c'est peut-être pas sur le temps scolaire, faudrait peut-être, parce que le temps scolaire, là, c'est exceptionnel, je suppose. On peut pas avoir du temps scolaire comme ça pour les enfants. Je pense que les professeurs gronderaient un peu, hein, quand même. Hein. Donc, il faut trouver aussi, amener les enfants à faire du sport sur leur temps libre avec les parents. Donc, il y a une démarche aussi à faire côté famille pour les inciter. Mais on a bien cette volonté-là. Et pour 2025, il y aura certainement des petits investissements à faire dans les écoles pour avoir cette politique. Oui. Je voudrais aussi remercier le service enfance-jeunesse qui a animé deux ateliers lors de cette journée-là, notamment la course d'orientation. Bien. Donc on va commencer les délibérations. Alors, ça commence toujours par les décisions que j'ai pu prises depuis que j'ai pu prendre, pardon, depuis le 8 avril.
Donc, réalisation d'un contrat de location d'un appartement en colocation. Donc, c'est un appartement qui est situé rue des FN et on le loue à titre précaire et provisoire. Le loyer mensuel est de 205,73 €. C'était pour les mois de février, du 15 février 2024 au 15 mars 2024. Un autre contrat au même endroit, c'est de la colocation, du 16 mars au 21 mars, pour la même somme, 205,73 € et 80 € pour les charges. Ensuite, nous avons fait une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport, Plan 5000 équipement. Donc, il s'agit de remplacer les éclairages des salles Omnisport des Esquisseaux, salle de gymnastique des Esquisseaux, dojo Philippe Noret des Esquisseaux, gymnase de la Vallée, gymnase de la Tannerie et le dojo de la Tannerie. Le tout de l'ensemble de ces travaux de changement d'éclairage, ça coûte 56 761,09 €, dont on pourrait avoir une subvention de 20% qu'on a demandé. Donc, ça se répartirait de la façon suivante, avec 11 352,22 € demandés en subvention, ce qui resterait en reste à charge pour la commune à 45 408,87. Voilà. Ensuite, on a pris une chose qui est assez régulière de... Oui, monsieur Leger. Oui, monsieur Leger. Par rapport à cette demande de subvention, on avait quelques interrogations. On voit que c'est une dépense de 56 000 € hors taxes. Et donc, du coup, on fait une demande de subvention de 20% à 11 000. Il reste un financement à prévoir pour la commune à 45 400 et quelques euros. Voilà, on a entendu lors du vote du budget qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un panneau, voire faire un passage piéton. Là, il reste 45 000 € à la charge de la commune. A-t-on les moyens? Parce que si on n'a pas les moyens, c'est pas la peine de faire la demande de subvention. Et quand on regarde au vu du budget primitif voté, on n'a pas vraiment vu cette dépense. On aurait aimé avoir quelques précisions. D'abord, c'est un investissement, effectivement, 45 000, mais c'est un investissement productif. D'accord ? Donc, les 45 000, ils vont être rapidement amortis par par les économies qu'on va générer en termes de kilowattheure. Donc, on a jugé que c'était intéressant. Il y avait une opportunité. Les 20%, ce n'est pas nous qui choisissons les 20%. C'est proposé d'être financé à hauteur de 20%. On aurait aimé que ce soit à 60%, mais bon, c'est 20%. Et les 45 000 qu'on va débourser pour cette action seront vite, en temps retour, rattrapés, enfin remboursés, entre guillemets, puisqu'on va faire des économies en termes de prix du kilowattheure acheté. Oui, mais il faut quand même avoir le financement, oui. Parce que l'économie va se faire sur quelques années. Oui. Je ne pense pas que ça va se faire sur une année, et donc il faut quand même avoir le budget pour ces 45 000. Oui. C'est le choix que nous avons fait. Oui, Julien. C'est aussi une forme de soutien au sport dont vous parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, l'éclairage des Esquisseaux, il y a un éclairage sur deux qui fonctionne et les associations commencent à pâtir de l'absence d'éclairage. Donc là, on fait un geste très fort sur le maintien de l'éclairage et la qualité des salles de sport sur notre commune. Monsieur Belmont. Du coup, on remet surtout pas en cause l'investissement, c'est simplement qu'on se questionne et on essaye de chercher par rapport au financement. Est-ce que ça a été budgété? Donc, moi j'ai essayé de chercher. Donc, à un moment donné, je trouve que il y a une ligne marquée autres bâtiments et donc on est à 30 500 € plus 16 260 de reste à réaliser, donc on arrive à 46 760, donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas du tout ça, c'était simplement pour se poser la question, est-ce qu'il y a eu quelque chose de prévu au budget, ou est-ce que finalement on est sur une enveloppe qui, à un moment donné, parce qu'il y a des dépenses qui seront faites et d'autres qui ne le seront pas, du coup, par rapport à cet investissement-là, il est possible de le faire et de profiter de la subvention. Voilà, c'était simplement de savoir si on avait raté quelque chose par rapport aux investissements
Et donc, ces changements de lumière qui sont tout à fait intéressants à faire, bien sûr. Là, c'est une opportunité qui se présente aussi, hein, 45 000 euros. Donc, sinon, on loupait le passage de ce financement. Donc, on va mettre en œuvre cet investissement. Bien. L'autre information, c'est la souscription de lignes de trésorerie. Donc quelque chose d'habituel dans la commune. Donc, on ouvre une ligne de trésorerie d'un montant de 600 000 euros. Je vous le rappelle, on l'utilise que quand on a besoin et on la rembourse immédiatement, enfin le plus tôt possible derrière, sachant que c'est une facilité de caisse, on va dire, que nous avons là, à un coût donc de 3,925% l'an. Elle est faite pour pallier à d'éventuels retards de versement de l'État sur nos comptes. Je rappelle qu'on a une trésorerie en nombre de jours qui a été au 1er janvier de 31 jours, ce qui fait à peu près 750 000 euros. Un mois de salaire à la commune, c'est à peu près 350 000 euros, un peu plus. Donc voilà. Donc on pourrait avoir des trous et donc c'est intéressant de pouvoir pallier ce trou par faire appel à cette ligne de trésorerie qui est immédiatement remboursée dès que l'État fait son versement. Voilà. On va passer au point nouveau tableau des emplois, Monsieur Godard. Merci Alain. Alors, je vais juste présenter. Je vous présente Monsieur Franck Trifauvallet, que vous n'avez peut-être pas encore aperçu tous là. C'est Monsieur directeur ressources humaines, qui est là donc depuis le mois de novembre. Donc j'ai demandé à ce qu'il vienne pour nous apporter éventuellement des bonnes réponses à vos bonnes questions. Merci, et merci aussi à Franck d'être présent avec nous ce soir. Alors, nous allons parler du nouveau tableau des emplois. Alors, je vous informe qu'un tableau des emplois est la déclinaison fonctionnelle d'un organigramme. Il a vocation à lister l'ensemble des emplois permanents d'une collectivité territoriale. Il n'est donc pas nominatif. Le tableau des emplois définit les caractéristiques de chaque emploi, notamment donc l'affectation des agents, les cadres d'emploi, voire les grades cibles, la filière d'emploi, le temps de travail. C'est un outil essentiel pour la gestion des ressources humaines, car il permet de piloter la masse salariale et contribuer à la maîtrise des charges du personnel. Il permet également de faciliter d'étaler les lieux des emplois et par là même identifier les besoins de la collectivité, d'évaluer les besoins en formation, d'apporter une cohérence globale et une lisibilité de l'organisation de la commune, de favoriser le pilotage de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. À ce jour, la commune ne dispose que d'un emploi des effectifs, qui est un outil comptable et budgétaire, recensant tous les emplois permanents créés par la commune et pour chacun de ces postes, leurs caractéristiques, filières, cadre d'emploi, grade, fonction, temps de travail, poste pourvu ou vacant, sans préciser leur affectation. Il s'apparente à l'état du personnel, élément obligatoire annexé aux documents budgétaires, conformément à l'article R2313-3 du CGCT. En outre, l'actuel tableau des effectifs prévoit 156,49 emplois permanents équivalent temps plein. Il s'avère nécessaire de les réactualiser en fonction des réels postes occupés au sein de chaque direction et service, ainsi que des éventuels besoins. Il vous est donc proposé un nouveau format joint en annexe de la présente délibération. Afin de gagner en souplesse dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le niveau hiérarchique cible sera défini au niveau de cadre d'emploi pour les postes identifiés en catégories C et B. Les incidences financières d'un reclassement à l'issue d'un avancement de grade n'étant pas significatives. En revanche, pour les postes identifiés en catégorie A, le niveau hiérarchique cible sera le grade.
L'organisation se voulant hiérarchique, cohérente et uniforme, en adéquation avec le niveau de des responsabilités exercées. Les postes de directeur relèvent du niveau hiérarchique de catégorie A. Les postes de chef de service relèvent du niveau hiérarchique de catégorie B, à l'exception du service de l'urbanisme, dont le poste de chef de service est identifié en catégorie A. De même, les responsables de site à la direction enfance, jeunesse, école, bien que n'étant pas chef de service, eu égard à leur mission et responsabilité, sont identifiés en catégorie B. Ces tableaux des emplois comprend notamment les ajustements suivants. Transformation d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe, catégorie C, anciennement au service vie locale, en attaché de conservation du patrimoine, catégorie A, emploi de directeur de la culture et des animations de la ville. Création d'un poste relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux, catégorie A, à la direction des enfants, de la direction enfance, jeunesse, école. Création d'un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine ou bibliothécaire, catégorie C, à la bibliothèque. Suppression de l'ensemble des emplois surnuméraires. Donc, je vous demande de valider ce nouveau tableau des emplois avec 98,96 emplois permanents ETP, équivalent temps plein. Il est rappelé que nos différentes délibérations ont acté 15,88 emplois non permanents, équivalent temps plein. Donc, vous avez annexé à cette délibération le tableau des effectifs actuels de la commune et le tableau des emplois de la commune. Je précise que ce document a été présenté au comité social territorial et qu'il a été approuvé. Et je précise également que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune pour le faire vivre. Voilà. Donc c'est un document un peu technique qui permet simplement de remettre les vrais chiffres aux bons endroits. C'est un document qui nous permet de faire fonctionner l'organigramme cible de la collectivité et qui supprime un certain nombre de postes qui n'étaient plus nécessaires d'avoir, en tant qu'il n'était pas passé, je pense, au conseil municipal, ce tableau. Je ne sais même pas s'il y était passé déjà. Voilà. Donc j'ai avec moi donc Franck Trifot-Vallée. C'est un sujet éminemment technique. Et donc, on a souhaité avoir avec nous, pour pouvoir répondre efficacement à vos questions, à tous et à toutes, un technicien avec nous. Merci donc, Franck, de nous aider. Si vous avez des questions, bien sûr. Si vous n'en avez pas, Monsieur Léger. Oui, donc ce tableau est déjà passé en délibération, on l'a déjà vu, c'est clair. Bon, voilà, par contre, là, entre les deux tableaux, on avait quelques questions, au moins une, parce que malgré tout, c'est l'organigramme cible de la commune qui se dessine, et on a une vraie interrogation, c'est sur... le tableau des effectifs où on voit la suppression des deux postes de gardien brigadier de la police municipale. Et par contre, dans l'autre tableau, je reprends, le tableau des emplois budgétaires, ils apparaissent toujours. Alors, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre les deux tableaux et on aurait aimé avoir des précisions sur votre position sur ces deux postes-là. Alors, c'est assez simple. La position, elle est la même que la fois au conseil municipal précédent, que celui du conseil municipal également précédent, puisque je pense qu'à chaque fois la question est posée. Sur l'organigramme cible, il y a deux emplois pour la création d'une police municipale. Comme l'a dit Monsieur le maire... je pense que c'était la dernière fois, là. Des négociations ou des approches se font avec une commune près de chez nous pour regarder comment on pourrait mettre en place une police municipale. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons mis aujourd'hui dans l'organigramme cible et donc dans le tableau des emplois qui vous est proposé ce soir, deux postes
Au CST, il y en avait même un troisième. Je regarde Thierry Belmont, parce qu'on en avait parlé ensemble. Donc on a fait corriger, on en a fait mettre deux. C'est bien deux postes équivalents temps plein qui pourraient être. Deux postes de, alors je ne sais plus, c'est brigadier et puis, c'est grade de brigadier chef principal et grade de gardien brigadier. Voilà. J'espère que ma réponse est claire. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Thierry. Oui, donc la question générale, elle est de savoir si, du coup, par rapport aux créations de direction et puis les cadres A, savoir si la masse salariale, du coup, est la même ou est-ce que la masse salariale globale va augmenter. Donc, c'est la question principale et générale. C'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Il s'agit d'un organigramme cible. Donc c'est un organigramme, si on avait des sous, on aimerait le mettre en place ce soir, demain matin. Donc pour l'instant, les finances de la collectivité ne permettent pas d'augmenter la masse salariale. Je souhaite que la masse salariale soit pilotée au plus près. C'est quelque chose avec laquelle je travaille avec M. Franck Trifot-Vallée tous les mois. On regarde ça comme le lait sur le feu. Donc il n'y a pas de prévu pour l'année 2024 de création de postes, par exemple, sur la police municipale. Nous avons budgété un cadre A pour la culture, mais nous n'avons rien, par exemple, budgété pour l'enfance jeunesse, pour 2024. Donc au fil de l'eau, selon les moyens de la collectivité, l'effectif cible pourrait être mis en place. Cet effectif cible, comme le mot l'indique, pourrait évoluer. Donc si c'était le cas, ben, on vous en informerait, bien sûr. Mais pour l'instant, on va se tenir strictement à ce qui a été annoncé dans le budget, c'est-à-dire une politique salariale qui soit raisonnable, raisonnée, et qui permette à la collectivité de passer le cap qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc si je peux me permettre, du coup, on voit bien qu'à l'avenir, la masse salariale va augmenter par rapport à la réponse que vous nous faites, du coup, puisque là, il n'y a pas les moyens en 2024, mais si on embauche deux policiers municipaux, si on embauche les directeurs qui sont prévus, qui ne sont pas encore embauchés, du coup, la masse salariale, à ce moment-là, aura augmenté. Si vous le dites comme ça, oui, mais moi, je ne le dis pas comme ça. Je le dis un peu différemment. Je dis qu'on ne pourra faire les choses que si la collectivité a les moyens de le faire. Donc peut-être qu'un jour, peut-être que l'effectif cible ne sera jamais atteint. J'en sais rien aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que dans une trajectoire qu'on se veut pour la collectivité attractive, pour avoir une collectivité attractive, il y a un certain nombre de choses qu'on veut mettre en place. On est en train de préparer les choses, mais il faut encore que la collectivité ait les moyens de le faire. Pour l'instant, c'est bien impossible en 2024. Mais peut-être qu'un peu plus tard, quand la dette aura baissé, on aura un peu plus de facilité et qu'on mettra l'accent sur un certain nombre d'agents pour nous aider à faire quelque chose de façon plus aisée pour la collectivité, pour les élus, nous, mais aussi ceux qui nous succéderont au fil des années. Et c'est la raison pour laquelle on veut structurer la collectivité avec des cadres sur lesquels on veut s'appuyer, sur les agents en général sur lesquels on veut s'appuyer pour travailler tous les dossiers qui nous concernent, qu'on soit dans la minorité ou dans la majorité. Très bien, donc je vais le dire autrement aussi. Du coup, on est bien d'accord que l'objectif ou l'organigramme cible, on est sur une masse salariale qui augmentera lorsque la collectivité en aura les moyens par rapport aux embauches qu'elle pourra faire parce qu'elle aura les moyens de le faire. J'avais une autre question. Du Alors, coup, juste une précision, Thierry. Merci encore pour cette question. Là aussi, je pourrais dire oui, assez simplement. Mais on recherche des économies partout. Dans une autre délibération, on verra qu'on a fait des choix, dans une délibération qui suit,
et que ce choix qu'on fait va nous faire gagner un certain nombre une enveloppe financière. Donc je ne sais pas aujourd'hui dire si on va augmenter de façon très forte la masse salariale, j'en sais rien, hein, je ne peux pas dire. Ce que je sais, c'est que tous les compartiments aujourd'hui sont étudiés. J'embête un peu les uns et les autres sur ce sujet-là, vous pouvez leur demander. Je ne lâche rien, je ne lâcherai rien, de façon à ce que nous ayons une collectivité le plus en ordre de marche possible. Et l'objectif, ce n'est pas d'augmenter de façon démesurée la masse salariale, ce n'est absolument pas l'objectif, mais peut-être qu'elle augmentera, hein, effectivement. Si aujourd'hui on mettait en place, ça augmenterait de façon très forte, trop forte pour Beaufort. Hein. Donc aujourd'hui, c'est impossible, hein, c'est absolument impossible. Voilà. Pardon. Merci. Et donc, c'était par rapport au centre social, du coup, Toile de Graines, le fait que, finalement, ça devient une association. Et donc, est-ce qu'il y a encore... on n'arrive pas à voir vraiment si dans le tableau, du coup, qui nous est donné, il y a quelqu'un qui travaille pour l'association Toile de Graines ou pas, dans ce tableau-là, du coup. Parce qu'il y a le médico-social, et je ne sais pas si c'est... Enfin, on n'arrivait pas à savoir si c'était sur ces lignes-là. Voilà. Ben aujourd'hui, il y a un cadre de la collectivité qui est en charge du pôle social. Et c'est cette personne-là qui fera le lien. Je regarde Frédéric, mais c'est ça, hein, Frédéric. C'est cette personne-là qui fera le lien. Donc il n'y aura pas de création de poste. Non, puisque de toute façon, ça sera une association, donc ça sera une association indépendante. Loi 1901, si j'ai tout bien compris, si on arrive à voter ça dans les quatre communes, je regarde encore Frédéric hein, sur le sujet, je veux pas... Frédéric, si tu veux répondre d'ailleurs, c'est avec plaisir. Hein. Et donc, il n'y a pas de prévu de poste supplémentaire pour Beaufort ou pour l'entendre sur le sujet. Mais du coup, notre question était de savoir, est-ce qu'il est possible de connaître la ligne qui concerne Toile de Graines dans le tableau? C'était ça ma question, du coup. Dans le tableau des emplois budgétaires, 27 mai 24, est-ce qu'il y a... Monsieur, Franck n'a pas ses lunettes. Merci. Donc le document, c'est Thierry, c'est donc sur les cases jaunes. La sixième case en partant de la droite. Donc musée, bibliothèque, animation, action culturelle, direction, CACS, Toile de Graines. C'est cette colonne-là. Et évidemment, ce tableau des emplois, il peut évoluer, hein. Imaginons qu'on doive recruter quelqu'un sur un emploi permanent, ou l'inverse. Voilà, on fera évoluer le tableau. Hein. C'est une photographie à instant T. Hein. C'est difficile hein, on essaye, certains d'autres ont essayé, il n'y a pas que toi, Thierry. Il y a plein de gens qui essaient de mettre des emplois, des mots, des noms autour de ça. Hein. C'est difficile. Hein. C'est un tableau éminemment technique. Monsieur Franck Trifauvelet, quand je lui dis ça, il me dit non, pas du tout. Mais on n'est pas d'accord sur le sujet. Hein. C'est pour ça qu'il est là ce soir, parce qu'il est tellement technique que je préfère qu'on ait son apport. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. J'étais sur une lecture horizontale et il fallait que ce soit vertical. Donc, c'est parfait. Merci. Ah, il n'est pas simple. C'est les deux, hein, apparemment. C'est pas apparemment, c'est les deux. Donc, vous avez vu, on a, entre le tableau précédent et celui-ci, il y a une contraction des effectifs. C'est pas qu'on a mis des gens à la porte, bien au contraire. Hein, tout le monde est resté avec nous. Mais on a nettoyé le tableau. Hein. Mais peut-être que demain matin, on sera obligé de faire une nouvelle délibération pour une création d'un poste, ce qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Il y a des créations. On sera obligé de faire évoluer ce tableau. Hein. L'objectif, c'est qu'on ait quelque chose, un outil qui nous permette de piloter. Hein. C'est ça que je cherche en permanence dans cette collectivité, c'est d'essayer de piloter, de prévoir
Et en essayant tout ça, on n'est pas sûr de réussir, mais en tous les cas, on se donne les moyens de réussir. Eliane. Je voulais savoir si les agents, ce qu'ils pensent en fin de compte du tableau, eux. Si monsieur... Trifot Vallée. Voilà. Leur a demandé, les a convoqués, etc. Si vous avez eu des réunions avec eux. Allez-y, Franck. Alors la réponse est non, on n'a pas saisi les agents individuellement pour avoir leur positionnement. On est passé par les instances de concertation qu'est notamment le comité social territorial. Et sur ce tableau des emplois, l'avis, c'est que les agents, ils s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent parce qu'ils arrivent à se projeter dedans. Et ils s'y retrouvent aussi parce que ce tableau, il a une vocation, c'est de pouvoir identifier quel est leur niveau de responsabilité, indépendamment du grade qu'ils ont réellement. Et que ça va favoriser notamment pour ceux qui seraient sur un niveau de responsabilité supérieur au grade qu'ils détiennent, à ne pas être bloqués dans le cadre de leur avancement. S'ils pouvaient prétendre à un avancement, en fait, il faut changer le tableau des emplois du fait qu'il faut que le grade corresponde à leur nouveau grade. Ce qui, aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de donner plus de souplesse. Donc, pour l'instant, au niveau des agents, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans un premier temps, là, on va donc créer un emploi de catégorie A. Et on va permettre à deux personnes qui étaient en catégorie C de passer en catégorie B, alors qu'ils occupaient déjà ce poste-là. Donc ils vont, ça ne va rien changer dans leur vie, mais simplement ils auront une promotion interne grâce à la politique que nous menons et aux choix que nous faisons avec cet organigramme. Hein, donc ça permet aux gens de se projeter, ça permet aux présents de se projeter, mais aussi aux futurs, futurs agents que nous pourrions embaucher dans le cadre d'un turnover, d'avoir une lecture un peu saine, un peu clairvoyante de ce qui pourrait leur arriver positivement en postulant dans la collectivité de Beaufort-en-Anjou. Moi, ce que je veux, c'est que la collectivité elle soit attractive tous les jours avec une commune où il fait bon vivre, mais aussi une commune où l'attractivité, elle est au sein des agents, où on se sente bien, où on ait une des visions, où on puisse parler. Hein, c'est le travail que mène Katia Breton-Cuo, qui est présente ce soir, avec moi, mais aussi avec Monsieur le maire, avec Isabelle Gigue, Franck Trifot-Vallée. On est attentif à cette partie-là, et c'est une vraie politique que nous sommes en train de mener. Alors, c'est difficile, il y a plein d'aléas, il y a plein de choses qu'on découvre, et il y a plein de choses qui sont difficiles à prévoir. Hein. Il n'y a pas de procès d'intention pour les uns ou pour les autres. Mais en tous les cas, cette logique-là, ben c'est celle qui va nous mener jusqu'en 2026, faire de notre commune une commune attractive, et notamment, puisque ce soir on parle des agents, pour les agents de la collectivité. D'autres questions? Non? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité, le tableau des emplois est adopté. Création poste en service entretien réception. Monsieur Godard. Alors, et puis après on laissera partir Franck, j'imagine. Mais comme c'est encore une question RH, ben on va le garder encore quelques instants avec nous. Donc les besoins de service, du service entretien réception des services techniques ont évolué, eu égard à la fin du nettoyage automatique des salles de réception louées par un particulier ou une personne morale, et par l'évolution du cycle de travail depuis le 1er janvier 2024. Dans ce cadre, les effectifs permanents, actuellement prévus au tableau des emplois, donc 6 emplois à temps plein, 1 poste à 32-35e et 2 postes à 28-35e, doivent être révisés. Après étude sur le plan de charge annualisée du service, il est nécessaire de dissocier les périodes hors et pendant les vacances scolaires, notamment en raison de la fermeture de la restauration sur certains sites, et des entretiens à réaliser. Pour son fonctionnement, je vous propose de réajuster les effectifs permanents à hauteur de 5 postes à temps plein et de 2 postes à 28-35e. Les 2 postes supprimés sont actuellement vacants. Créer un nombre de postes suffisant, l'efficience dans la gestion des moyens humains étant toujours recherchée, seuls seront utilisés les volumes horaires nécessaires au bon fonctionnement du service.
donc pendant les vacances scolaires et hors vacances estivales, deux postes d'adjoints techniques territoriaux contractuels à temps complet, et pendant les vacances estivales, un poste d'adjoint technique territorial contractuel à temps complet. Les modalités de gestion des agents contractuels recrutés seront les suivantes. Signature de contrat, un contrat de recrutement par période de vacances sera proposé à chaque agent. Les horaires de travail et paiement des congés payés, sauf demande préalable dûment justifiée par le chef de service et validée par l'adjoint en charge des ressources humaines et des finances, l'agent ne pourra pas bénéficier d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. De plus, il devra impérativement poser ses jours de congé. Aucun paiement ne sera validé. Indemnité de fin de contrat, conformément au décret 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, les agents contractuels recrutés ne sont pas éligibles au versement de la prime de précarité au terme de leur engagement. Salaire, les contractuels sont rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant au premier échelon de l'échelle C1 du grade d'adjoint technique territorial. Paiement, le versement des salaires sera effectué sur la paye sur le mois de paie après service fait. Donc l'impact en année pleine sur un budget communal est le suivant. Suppression des postes permanents. Les deux postes, 81 000 euros. Création de deux postes non permanents, 15 000 euros. Donc, je vous demande de délibérer sur cette création de postes au service entretien et sur les modalités. Je précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Et ça reboucle une de mes réponses que j'ai effectuées tout à l'heure auprès de, je crois que c'était Thierry, hein, je suis même sûr que c'est Thierry, c'est effectivement qu'il peut y avoir des augmentations de masse salariale, mais il peut y en avoir des baisses également. Je ne sais pas si on trouvera autant de baisses que d'augmentations. En tous les cas, on est en train de regarder comment faire. Je précise que cette politique, elle a été faite en toute transparence avec les chefs de service concernés, le directeur général des services ici présente, Franck Trifot-Vallée à mes côtés, et qu'on a le patron des services techniques également, Fabrice Bourigaud, et qu'on a ensemble travaillé à cette nouvelle organisation qui consiste aujourd'hui donc à enlever deux emplois, à répartir mieux les charges, mais aussi à créer pendant les vacances scolaires deux postes pour leur permettre eux-mêmes de pouvoir prendre quelques congés. Parce que je précise que les personnes qui font ce service servent aussi à la cantine le midi. Et donc, on a besoin d'eux pendant les vacances, pendant les périodes scolaires. Voilà. Monsieur Leger. Oui, donc sur cette délibération, la première remarque, alors c'est déjà dans l'intitulé. Création de postes au service entretien-réception, comme vous l'avez dit, c'est une réorganisation. Donc, c'est une réorganisation, création, suppression, mais voilà, il n'y a pas que de la création, il y a de la suppression et une réorganisation. Donc, l'intitulé m'interpelle un petit peu, mais ça ne change pas le contenu de la délibération. Pareil, dans la délibération, quand vous me présentez que l'impact pour année pleine au budget communal, la suppression de deux postes permanents gagne 81 000 euros, c'était deux postes vacants. Il n'y avait pas de dépenses, ils étaient vacants. Et il est vrai que la charge de travail n'étant pas là, on ne va pas embaucher des gens à rien faire. Et c'est la preuve qu'on réorganise. Donc pour moi, indirectement, il n'y a pas... Il n'y a pas un gain de 81 000. Ils n'étaient pas faits. Et on ne les avait pas. Alors, c'est vrai que par rapport au tableau cible, on est bien d'accord, oui. Mais c'est du fictif. En réalité, il n'y avait pas cette dépense-là. Il y en avait une partie, Didier. Il y en avait une partie parce qu'il y avait une personne qui était en arrêt de maladie, qui revenait. Non, qui était présente et qui est partie en retraite, qu'on ne renouvelle pas. Donc, il y a une partie. D'accord, merci de la précision pour ça. Et puis, sur cette délibération, alors, je vais rebondir aussi sur celle qui vient après.
Ce qui me pose question, c'est sur l'indemnité de fin de contrat. Conformément au décret 2020-1296 du 23 octobre 2020. Alors, dans cette délibération-là, les agents contractuels n'ont pas de prime de fin de contrat, au vu. Et dans la délibération d'après, où on est sur un emploi aussi non permanent, ils peuvent y prétendre. Et on fait appel au même décret. Je ne vous cache pas, hein, j'ai essayé de voir vite fait sur le décret. Bon, je n'ai pas trouvé la subtilité là-dessus. Et voilà, je voulais avoir une précision là-dessus. Pourquoi sur un, ils peuvent prétendre à une indemnité de fin de contrat et pas sur l'autre? Ou est-ce qu'il y a eu une erreur quelque part? Merci pour la question, Didier. Je vois qu'on suit bien les affaires des collectivités, c'est très bien. La subtilité, c'est emploi saisonnier, emploi non saisonnier. Sur la délibération qu'on verra tout à l'heure, ce n'est pas un emploi saisonnier, c'est un emploi pérenne, qui pourrait devenir pérenne en tous les cas, alors qu'ici, il s'agit d'emploi saisonnier, et donc dans ce cadre-là, il n'y a pas de paiement d'indemnité à la fin du contrat. C'est ça la différence. Et Franck Trifot-Vallée me dit, c'est le texte. C'est pour ça que je le dis. Non, mais j'en doute pas, mais je voulais avoir l'éclaircissement, parce qu'en plus, on fait appel au même décret. Alors oui, dans les décrets, il y a des subtilités, et il faut toujours rechercher, mais voilà. En fait, le décret, il précise simplement quels sont les contrats qui ouvrent droit à l'indemnité de précarité. Et ce qui est important, c'est d'aller regarder le Code général de la fonction publique, et en l'occurrence, la subtilité, c'est est-ce qu'on fait référence à un accroissement saisonnier d'activité, qui est le premier alinéa de l'article du Code général de la fonction publique, ou est-ce que c'est un renfort, enfin c'est un accroissement temporaire d'activité, et les deux sont gérés différemment. Dans le premier cas, il n'y a pas d'indemnité de précarité, dans le deuxième cas, il y a une indemnité qui est due. Il n'y a pas de faculté pour la commune de choisir ou pas. Bon, je ne vous cache pas qu'on en apprend tous les jours, hein, avec Franck Trifot-Vallée. Monsieur Belmont. C'est un sujet inépuisable, la RH. Oui, Thierry Belmont. Nous nous questionnons par rapport à l'entretien des salles, c'est-à-dire que le nettoyage est demandé aux personnes qui louent la salle. Et donc, notre question est de savoir si, de temps en temps, il y a quand même un nettoyage qui est fait par les agents, ou est-ce que, finalement, ça n'existe plus du tout? Est-ce que, il y a les responsables, il y a des directeurs, vous l'avez bien dit, qui font ce travail-là, et peut-être qu'ils disent, à un moment donné, il faut quand même qu'on voit un peu la cuisine, parce que c'est pas forcément propre. Ou est-ce que, maintenant, quoi qu'il arrive... c'est forcément la personne qui prend éventuellement la salle qui redonne un petit coup parce qu'il n'est pas satisfait du nettoyage de la location précédente. Merci pour la question, Thierry. Alors au tout début, quand on a changé les choses, il a fallu faire un petit peu de nettoyage. Maintenant, je crois que c'est bien ancré. Il y a un état des lieux entrant, un état des lieux sortant. Et je crois que les gens ont bien compris qu'ils avaient intérêt plutôt à faire en sorte que ça soit propre, et on n'a plus de difficultés aujourd'hui référencées. En tous les cas, il n'y en a pas qui me soit remonté. J'ai échangé très récemment avec le directeur des services techniques et Dolores sur le sujet. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne doit pas être capable d'aller faire un nettoyage plus poussé, par exemple. Hein, ça, c'est au choix des équipes de Dolores de décider, mais aujourd'hui c'est plutôt bien respecté. Pour une précision, par exemple, il y a un nettoyage qui est fait dans les salles de façon plus poussée par le service entretien, et notamment, par exemple, le parquet de la salle Plantagenet, quand il est loué, évidemment, on ne demande pas aux gens de passer... l'auto-laveuse, ce qu'elles font, elles, évidemment, assez régulièrement. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Merci. La création de poste est
voté à l'unanimité. Création d'un emploi non permanent d'agent administratif à la direction finances, marchés publics et assurances. Information. Alors, oui, de nouveau, donc le service des finances de la direction finances, marchés publics et assurances informatiques est composé de 3 agents à temps plein. Depuis le 16 mars 2023, un agent est en congé de maladie ordinaire. Cet agent a fait récemment une demande de placement en congé maladie longue durée. La commune est dans l'attente de l'avis du conseil médical. Au vu du plan de charge du service et des obligations réglementaires, notamment quant au délai de traitement de certains dossiers, mandatement, préparation et suivi budgétaire, suivi de marché, un prestataire externe a été recruté depuis octobre 2023 pour un coût moyen de 2600 euros mensuels. Considérant la situation du service, il est nécessaire aujourd'hui de stabiliser et de pérenniser les effectifs du service. Considérant ce contexte, je vous propose de créer un poste non permanent à temps complet afin de pouvoir recruter un agent et ainsi commencer à le former sur le logiciel finance en remplacement du contrat de prestation. Au vu de l'avis du conseil médical et de la manière de servir de l'agent, ce dernier pourra être recruté sur un poste permanent. Les modalités de recrutement seront les suivantes. Donc, nous suivrons le cadre réglementaire de référence du recrutement. La durée du contrat est d'un an. L'indemnité de fin de contrat, avec l'article 20, du 23, le décret du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat, l'agent contractuel recruté est éligible au versement de la prime de précarité au terme de son engagement. Ça nous ramène à l'échange précédent. Le salaire, le contractuel sera rémunéré mensuellement sur la base de l'indice brut correspondant au premier échelon de l'échelle C1 du grade d'adjoint administratif territorial. Il bénéficiera en outre d'une indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, IFSE, de 140 euros brut. L'impact sur le budget communal est nul. Le coût du prestataire est de 2600 euros net mensuel. Et la création d'un poste non permanent est de 2580 euros brut, chargé mensuel au titre de frais de personnel. Voilà, et donc je vous demande de délibérer sur la création de ce poste qui va nous permettre simplement de préparer l'avenir. Pas de questions ? Non ? Bon, on va voter alors. Qui vote contre ? Abstention ? À l'unanimité ? La création d'un emploi non permanent est adoptée. Alors, direction enfance, jeunesse, école, création des emplois contractuels non permanents pour l'année 2024-2025. Madame Maignan. Alors, pendant l'année scolaire, le fonctionnement des structures jeunesse de la direction enfance, jeunesse, école repose essentiellement sur des agents titulaires. Pendant les vacances scolaires, il fait appel à des renforts contractuels dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité. Les effectifs permanents du service périscolaire sont définis au regard d'une activité pérenne d'enfants et de classes à encadrer. Or, ces besoins peuvent évoluer en fonction du nombre de classes dans les écoles arrêtées par le ministère de l'Éducation nationale. Une gestion efficiente des moyens humains impose de recourir à du personnel contractuel afin de conserver une souplesse en cas de baisse d'effectifs d'enfants à encadrer ou de fermeture de classe. Au titre de l'année scolaire 2024-2025, le rectorat a informé la collectivité qu'il n'y aurait pas d'ouverture ni de fermeture de classe dans nos écoles maternelles. Donc, dans ce cadre, il est proposé de renouveler les 3 emplois non permanents créés par une délibération du 26 juin 2023, à savoir 2 postes d'animateurs à hauteur, l'un de 30-35e et l'autre de 32-35e, et un poste d'agent territorial spécialisé dans les écoles d'école maternelle, ATSEM, à hauteur de 32-35e. Les modalités de recrutement sont les suivantes. Cadre réglementaire de référence du recrutement, l'article L332-23 du Code général de la fonction publique, accroissement temporaire d'activité. La durée du contrat du 30 août 2024 au 29 août 2025 et le salaire contractuel rémunéré mensuellement sur la base de l'indice brut
correspondant au premier échelon de l'échelle C1 du cadre d'adjoint territorial d'animation. L'impact en année pleine sur le budget communal est de l'ordre de 90 000 euros. Oui, monsieur Leger. Non, juste une précision. Et là, si vous me permettez, je vais la poser à monsieur Truffaut-Vallée. Celui-ci, parce qu'on ne parle pas d'un. C'est un contrat aussi. Celui-ci, alors, c'est à l'année, c'est saisonnier, c'est. Alors, ce n'est pas des emplois pérennes, parce que pareil, c'est en fonction des activités, de l'évolution des effectifs dans les écoles. Et c'est vrai qu'on se garde cette souplesse-là. Et c'est pas saisonnier quand même. Et un contrat comme ça, comment on peut le classer? C'est juste pour comprendre. Dans ce cadre-là, vous avez donc deux types de contrats au titre de des accroissements temporaires. Donc l'accroissement temporaire saisonnier, c'est la possibilité de recruter pour une durée d'un an. Enfin, pour une durée de 6 mois sur une période d'un an, un contractuel. Donc ça, c'est du saisonnier. Et l'accroissement temporaire d'activité, on se donne la possibilité de recruter une personne sur une période d'un an au titre d'une période de 18 mois. Donc là, en l'occurrence, on est sur un accroissement temporaire d'activité. D'autres questions ? Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui vote abstention? Merci, la délibération est adoptée à l'unanimité. Bah, je peux libérer monsieur Truffaut-Vallée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, éclairage public, versement d'un fonds de concours au CIEMEL. Monsieur Repers. Oui, donc nous avons deux délibérations à suivre sur les versements de concours pour des opérations de dépannage. Donc la Attends, première. Excuse-moi, Jean-Philippe. Juste Cédric Machin. Alain, est-ce qu'il y a eu le vote sur le. Oui. J'ai pas eu l'impression, c'est pour ça. Si, si. Oui. C'est peut-être un peu rapide, oui, je suis d'accord. C'est pas grave. Hop, du coup, je vais reprendre. Donc, cette première délibération, c'est sur la commune déléguée de G, dépannage de l'ouvrage numéro 53, donc c'est route de Fontaine-Guérin. Donc, intervention suite à notre demande. Donc là, il y a un fonds de concours. Donc le CIEMEL soutient les demandes des réparations du réseau d'éclairage public à hauteur de 25%. Donc la collectivité va verser, si vous acceptez, un fonds de concours de 75% au profit du CIEMEL. Donc pour cette première délibération, au niveau du montant, le coût total de l'opération, c'est 301,75 €. Un taux de fonds de concours de 75%, donc du coup un fonds de concours à verser au CIEMEL de 226,31 € TTC. Et les travaux ont été réalisés le 13 décembre 2023. Si vous avez des questions. Oui, monsieur Leger. Alors ma question, et voilà, c'est que on voit bien les travaux ont été réalisés le 13 décembre 2023. Alors, il me semblait, j'ai entendu et re-entendu, qu'on rattachait à l'exercice prévu, comme ça devait être. On nous a reproché de ne pas le faire assez. Et là, qu'est-ce que je vois directement? Des factures de 2023, que le budget 2023, il est clôturé. On l'a voté. Et donc, là, ça, c'est pas rattaché. Et comme quoi, vous aviez dit que vous feriez attention à ce que toutes les dépenses de 2023 soient bien attachées à 2023. C'est le reproche que vous nous avez fait, qu'on n'était pas assez vigilant là-dessus. Et voilà, vous faites exactement le contraire de ce que vous avez dit.
Alors Didier, déjà là, c'est les travaux qui ont été réalisés pour la facture. Et concernant tous ces travaux de dépannage, ça marche comme ça tous les ans, c'est de la même façon. En fait, c'est du mois de septembre au mois d'août. En fait, il y aura une seule facture émise par le CML qu'on va recevoir du coup au mois d'août sur tous les travaux de dépannage. Donc voilà, c'est comme ça tous les ans et c'est toujours de septembre au mois d'août. Et ce qu'on avait précisé aussi, c'est que nous avions une enveloppe budgétaire, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Donc il y a une enveloppe, je crois que c'est 15 000 euros, qui est affectée pour cela, au titre du budget 2024, donc pour la période que vient de citer Jean-Philippe Ropers. Et cette enveloppe n'existait pas précédemment. Donc c'est tout simplement ça. Oui, Cédric, excuse-moi, juste pour préciser, quand on regarde le détail du CML, le détail de la prestation, je pense pas qu'on soit en retard, hein, ça date du 17 avril 2024. Donc je pense qu'on est très largement dans les temps. Alors, j'ai pas dit le contraire, je dis juste que les travaux... Non, je parle pas de la facture, je dis juste que les travaux, parce que c'est la manière que ça nous a été présenté par rapport à nos factures qu'on avait en retard, que tout ce qui était fait dans l'année devait être payé dans l'année. Et c'est bien la preuve, parce que j'ai insisté quand même pour vous dire que les factures, elles arrivent bien après. Ce que dit Jean-Philippe, je suis entièrement d'accord avec lui, on n'a pas la gestion de l'émission des factures et qu'on ne peut pas donc les mandater avant qu'elles soient faites. Non, c'est pour ça qu'on a prévu une enveloppe. Ben oui, mais malgré tout... Ce qui n'existait pas précédemment, Didier. Mais je ne parle pas de cette enveloppe, je parle que des factures qui ne sont pas rattachées à l'année, on nous l'a reproché et c'est bien la preuve qu'on... On ne peut pas faire autrement. Bien sûr que si, on peut faire autrement d'ailleurs. La preuve, c'est ce qu'on fait. Puisque nous, on a prévu une enveloppe budgétaire. Et donc, cette enveloppe, cette facture, elle sera dedans. Il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de dépassement. Si, il pourrait y avoir des dépassements budgétaires. Si on avait beaucoup de pannes et que ça soit... ça pourrait arriver. Hein, parce que si on dépasse les 15 000 euros, effectivement, ça pourrait. Mais normalement, ça doit rentrer à l'intérieur. Ce qui était reproché, c'est que souvent, il y a eu des travaux qui ont été effectués par le CML, donc qui ont envoyé le courrier, comme vous avez, je pense, en pièce jointe, et derrière, il n'y a pas eu de délibération. Donc, du coup, le CML n'a pas pu faire les factures. Donc, ça traînait. Alors que là, du coup, ils ont envoyé l'intervention, on fait la délibération, ce qui va acter, et derrière, ils vont pouvoir nous faire la facture. Mais c'était nous verser des fonds de concours. Des oublis de passage de délibération en conseil municipal qui faisait qu'il y a des factures de 2020-21 qui n'avaient pas été payées. Bien. Nous allons voter. Qui vote contre ? Abstention. Merci. La délibération est adoptée à l'unanimité. 7, c'est la même éclairage public, Jean-Philippe. Voilà, donc c'est exactement la même délibération, mais là, concernant la commune déléguée de Beaufort-en-Vallée. Donc il s'agit de dépannage sur 6 points lumineux et 2 armoires. Voilà, donc là, pareil, le fonds de concours de 75%. Donc au total, le coût total des opérations, c'est de 1 549,46 €. Et donc, un montant de fonds de concours à verser de 1 100,62 € TTC. Et là, c'était réalisé le même jour, le 13 décembre 2023. Voilà, si vous avez des questions sur ces interventions. Oui, Madame Chaussepied. Aurélie Chaussepied. Moi, j'ai juste une question ou peut-être une observation. Donc, quand il y a des rues qui sont éclairées en pleine journée et que ça dure depuis plusieurs jours, c'est bien du fait du CML, c'est pas du fait des agents de Beaufort. Donc, c'est pour ça qu'il y a une information de fait, comme quoi fallait pas appeler la mairie, mais appeler le CML. Je voudrais juste avoir une... Oui, voilà, tout le réseau...
de d'éclairage public, c'est le CML qui en a la gestion. Donc c'est le CML qui ben quand il y a un problème sur le réseau, on contacte le CML. Donc là, ça a été fait dès le mardi. Ils sont intervenus dès le mardi. Ils pensaient que c'était bon. En effet, ils ont bien agi, hein, parce que moi, je le vois sur les consommations. Il y a eu une évolution là, dès le mardi, mais ça n'a pas fonctionné. Donc le mercredi, j'ai rappelé et ça a été résolu. Ben, mis en attente. Là, c'est un souci de connexion de l'horloge connectée, en fait, qui a une mauvaise communication. Donc, ils sont en train de trouver les solutions parce qu'ils développent en fait leur propre réseau de communication. Donc, il y aura une antenne sur Cornille-les-Caves et ils pensent que cette antenne, une fois qu'elle sera installée, ça va corriger toutes ces problématiques de connexion. Mais voilà, en effet, c'est pour les agents de la commune qui interviennent directement sur le réseau. Non, et puis j'ajouterais que les agents, tout comme nous, on est sensible à la consommation électrique et on ne laissera pas allumer de façon naturelle si ça doit être éteint. Donc c'est des impératifs extérieurs, là, des pannes, qui nous ont empêchés de faire éteindre correctement les lumières. Mais on agit, bien sûr, le plus rapidement possible, dès que soit on le constate, soit ça nous est signalé, auprès de qui va bien, donc là c'était le CML, pour corriger ces choses-là. Je rappelle que c'était le week-end de Pentecôte aussi, donc... Oui, et juste pour dire que là, sur les consommations, on était sur des consommations assez faibles. Hein, donc, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne va pas augmenter notre consommation dans des proportions importantes. Et juste dire que sur les économies d'énergie que l'on fait depuis le début de l'année, au niveau électricité, on est à moins 15% à peu près d'économies d'énergie, au niveau juste électricité. Merci. Des questions ? Donc, qui vote contre ? Abstention ? Merci. La délibération est adoptée à l'unanimité. Accord de principe pour un dépôt de candidature de la commune à la mise en œuvre d'un atlas de biodiversité communale. Monsieur Ropers. Oui, alors peut-être juste un petit mot sur un atlas de biodiversité communale. Donc, j'avais présenté ça en commission environnement. Qu'est-ce que c'est qu'un atlas biodiversité ? C'est une démarche volontaire hein, qui est menée à l'échelle de la commune afin d'acquérir vraiment des connaissances pour assurer la préservation de la biodiversité. Donc ça va permettre aussi de sensibiliser et mobiliser les citoyens et les acteurs locaux autour de cette thématique. Et derrière, de partager, d'avoir une vision stratégique sur les enjeux de biodiversité sur notre commune. Donc, à partir de ça, on va avoir des données vraiment spécifiques sur ce que l'on aura choisi, hein, parce que c'est nous qui allons vraiment mener ce projet-là. Donc, si on veut, par exemple, travailler uniquement sur la faune, on pourra faire uniquement du travail sur la faune. Ça peut être uniquement sur la flore, etc. Donc ça va être nous qui allons le travailler ensemble. On va définir nos envies, nos besoins. Et derrière, donc, on va avoir toute une cartographie sur les différents enjeux au niveau de la biodiversité. Et ce qui va derrière émerger, ben c'est des plans d'action, justement, pour intégrer tous ces enjeux dans notre politique. Donc ça pourrait être intégré, par exemple, dans le PLU. Donc là, c'est vraiment un accord de principe, hein, dans le sens où on veut candidater donc, auprès de l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité. Et ça serait un projet qui serait porté par le PNR. Ce qui est intéressant, c'est que les communes de Mazémilon et Laménitré sont aussi intéressées par ce projet. Du coup, le PNR embaucherait finalement une personne si ces trois communes acceptent et si les projets sont acceptés aussi hein, des demandes auprès de l'OFB, il y aura une personne qui travaillerait uniquement sur ces trois communes en permanence pendant 3 ans. Donc ça serait un projet qui commencerait le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027.
Si on parle des coûts, pour avoir quand même une idée des coûts de ce projet-là, pour la commune, c'est un coût d'environ 50 000 euros. Si c'est accepté, du coup, l'OFB en prend en charge 80%. Donc, ça serait 10 000 euros à charge de la commune de Beaufort, répartis sur 3 ans. Donc, ce qui ferait un peu plus de 3 000 euros par an sur 3 ans. Voilà. Donc, et du coup, cette délibération, c'est pour autoriser le dépôt de la candidature de la commune de Beaufort-en-Anjou auprès de l'Office français de la biodiversité pour la mise en œuvre d'un atlas donc ABC en consortium avec le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Et donc de mandater le PNR pour déposer la candidature et représenter la commune auprès de l'OFB. Voilà, si vous avez des questions. Monsieur Belmont. Oui. J'avais besoin d'une précision concernant, enfin par rapport à l'explication que nous venons d'avoir, concernant justement l'Atlas et sa constitution. Du coup, le choix entre, ou pas le choix justement, faune-flore par exemple, du coup c'est le comité biodiversité qui va faire ce choix-là. Est-ce que ce sera la municipalité? Comment vous allez... Enfin, comment ça va fonctionner? Ah bah, et puis ma deuxième question, du coup, c'est en lien par rapport au lieu. Est-ce que c'est aussi sur tout le territoire communal ou est-ce que c'est que le centre-ville, que les marais? Enfin, voilà, c'est deux questions. Donc, en effet, c'est un projet qui se fera en concertation avec la population. Hein, il y aura sûrement des réunions publiques et évidemment, le conseil municipal sera... questionner sur ces sujets-là. Donc il y aura beaucoup de réunions pour justement définir la direction que l'on veut prendre. En effet, c'est sur tout le territoire, mais si derrière on veut travailler uniquement sur les marais, ça sera uniquement sur les marais. C'est assez souple, justement, c'est ça qui est aussi intéressant. Et c'est vraiment pour travailler sur... cette thématique-là, avoir vraiment une connaissance bien bien précise, les développer, parce qu'il y a aussi des connaissances à droite à gauche, il y a déjà des études qui ont été faites, donc ça permet aussi de regrouper, de prendre en compte tout ce qui a été fait pour refaire ces études-là, hein, quand on a des données, ça ne sert à rien de refaire, et d'accentuer justement sur les données qui nous manquent. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, monsieur Leger. Oui, ma question, moi, elle était... parce que, bon, les 50 000 euros, on a bien vu, là, sur le document qui nous a été présenté, c'est un budget estimatif. Hein, et derrière ça, on n'a qu'une vague aperçue de ce que ça contient vraiment. Comme tu viens de le dire, Jean-Philippe, on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut, ça sera une vraie volonté. Mais du coup, c'est sur cet estimatif de 50 000, qu'est-ce qui est vraiment compris? Parce que d'autant plus que lorsque je vois juste après, budget possiblement augmenté en fonction des éventuelles prestations à prévoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans cette estimation de 50 000 et qu'est-ce qui n'y est pas? Ça serait quoi les estimations, les prestations à prévoir? Voilà, j'ai un flou là sur cette partie budget. Les 50 000, c'est l'emploi notamment de l'agent du PNR qui va travailler sur ce projet-là. Le fait de travailler, d'avoir un agent qui travaille sur Mazé, sur la Ménitrée, ça peut aussi, dans le sens inverse, faire baisser certains coûts. Après, évidemment, si on leur demande 36 000 études flore, au bout d'un moment, forcément, ça va dépasser les possibilités de l'agent et ça pourrait, du coup, augmenter le prix. Mais c'est pour ça, c'est aussi un travail collaboratif. L'idée, c'est évidemment de rester aussi dans les clous et ne pas dépenser plus d'argent. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Oui, oui et non, entre guillemets, parce que oui, dans le sens où je vois bien, oui, mais j'aurais aimé avoir, du coup, ce budget estimatif, qu'est-ce qui a été prévu dedans,
qu'est-ce qu'il comprend pour savoir si ça va correspondre ou pas à nos besoins. Mais comme tu dis, on les connaît même pas encore parce que ça va être en consultation avec tout le monde. Mais au moins qu'on ait déjà, qu'est-ce qui est compris là-dedans. Parce que les études, c'est compris dedans. Hein. Donc c'est l'emploi de l'agent du PNR et toutes les études. Donc ça, c'est des chiffrages que nous donne le PNR avec l'expérience, le retour d'expérience, parce que les ABC, il y en a quand même beaucoup qui se sont faits, donc ils ont quand même une base de données qui est fiable là-dessus sur le coup. Des questions encore ? Oui, Madame Turc. Excusez-moi, j'étais à la commission biodiversité la dernière fois et je m'interrogeais en fait sur la route de la Minitrée. Il avait déjà été fait tout un travail il y a entre 15 et 20 ans sur la prairie, sur les prairies de la route de la Minitrée. À l'occasion, ils avaient trouvé une herbe qui s'appelle, ou une fleur qui s'appelle les pimprenelles. Et en fait, ces herbes logent des papillons très rares. Donc j'aimerais savoir si dans ce cadre-là, ce sera une continuité de protection. Parce que moi, je pense que oui, dans les marais, c'est très bien, mais parce qu'on y trouve des choses exceptionnelles en ce moment. Mais en fait, il y a quand même un projet du Végétal et Vie, de la part des Floralies, qui est un projet économique, un projet qui verra le jour, j'espère. Est-ce que ça ne va pas apporter des contraintes sur ce qui pourrait être fait à ce lieu-là, et en délaissant le travail qu'a fait le PNR sur les parcelles de part et d'autre de la commune ? Bah, le but, c'est justement valoriser le travail qui a été fait, parce que c'est pas forcément connu, et travailler, et continuer. Donc c'est pas, je comprends pas la question par rapport à ça, parce que là en plus c'est le PNR, donc ils ont déjà les données, donc toutes ces données là vont être intégrées dans cet atlas. Donc l'idée, c'est justement continuer, c'est la continuité du TEN, territoire engagé nature. Donc on est vraiment dans cet aspect-là. Et après, l'idée, c'est pas justement de se donner forcément des contraintes sur certains lieux, mais plutôt se préserver, protéger notre biodiversité, la connaître, en communiquer, sensibiliser sur l'importance pour mieux la protéger. J'entends bien, je suis bien d'accord. Mais en fait, l'autre jour, quand j'ai dit que vous y avez ces pimprenelles sur la route des personnes connaissaient. C'est pour ça que je me dis, c'est un travail qui va être fait, mais effectivement, mais quand on n'a pas la connaissance historique de ce travail du PNR qui a été fait sur la commune, j'espère qu'après, on aura la possibilité de conserver, et puis aussi de ne pas se priver de choses. Faut pas trop mettre de contraintes. C'est important, la biodiversité, j'en suis pleinement consciente, mais y a les choses qui aussi, sur le plan économique et tout, il faut pas trop se mettre de barrières. Voilà, c'est tout ce que je... Ça commencera, si vous acceptez ce projet-là, justement, par récupérer toutes les études qui ont été faites à droite à gauche, donc pour justement les valoriser. Donc, et justement, après, une fois qu'on aura toutes ces études, parce que tout le monde me parle, ah, il y a ça qui a été fait, mais en fait, personne n'a les données, donc ça va permettre de regrouper tout ça dans un même document. Donc ça sera beaucoup plus facile d'accès. Et après, sur ce que l'on veut, ce que l'on fait, bah derrière, c'est nous qui allons mettre ce que l'on veut dans le PLU, si on veut mettre des préconisations, des choses dans le PLU. Donc ça sera nos décisions à nous. Donc si on veut ne pas se mettre de limites sur certaines zones, bah on n'en mettra pas. Monsieur Grépon,
Je crois aussi qu'il y avait tout un volet de vulgarisation fait avec cet atlas en dernier recours. Je crois que ça ne participe pas au budget des 50 000 d'ailleurs, je crois avoir compris ça. Et je m'étonne de cette question, Claudette, de connaître son milieu et son territoire, c'est a priori pas une menace, comme avec l'histoire des panneaux photovoltaïques, il y a quelques conseils municipaux de ça. On peut partir sur l'idée, par exemple, avec cet atlas, une fois qu'on l'a, de mettre l'accent sur l'évolution de ces parcelles-là et comment ça a évolué depuis 15 ans, depuis 20 ans, et voir refaire une même étude pour voir l'évolution en 20 ans, ou au contraire mettre l'accent sur la vulgarisation et diffuser ces données-là au public, quoi. Et ce qui n'est pas un danger non plus. Je suis d'accord, Thomas. Monsieur Belmont. Oui, non, pour poursuivre, du coup, il y a quand même des conséquences, puisqu'il a été évoqué au niveau du PLU, il y a peut-être des choses qui peuvent, à un moment donné, influencer suite aux résultats de l'étude. Si on choisit de mettre dans le PLU, donc c'est un choix. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il peut y avoir des conséquences à un moment donné, mais encore une fois, c'est pour ça que le conseil municipal aura ces informations-là et décidera à ce moment-là aussi de ce qu'il veut faire. Et j'avais une question avant de passer au vote, c'est par rapport à Mazet-Milon et la Ménitrée. Est-ce que si du coup ces deux communes-là se désengagent, est-ce que Beaufort reste engagé ou est-ce que la commune se désengage également? Ah ben non, l'idée c'est de continuer. Après, ça sera plus compliqué pour le PNR à le mettre en place. Et après, ça sera plutôt leur affaire à eux. Après, ça peut avoir des petites conséquences un peu sur le coup. Comme je disais, le fait d'avoir un agent qui travaille sur les trois communes, ça peut permettre de réduire certains coûts. Donc ça peut avoir une petite incidence budgétaire sur le coût final. Bien. On passe au vote. Qui vote contre ? Abstention. Alors, 6 abstentions, et puis la délibération est adoptée. Adhésion à la ludothèque, Madame Ménian. Alors, plusieurs services de la commune ont recours à l'emprunt de jeux de société pour le bon fonctionnement de leur activité. L'adhésion à la ludothèque, la cabane à jeux, association située à Mazet-Milon, donne accès à une offre vaste de jeux de société sans avoir à les acheter tous individuellement et permet de diversifier les activités proposées par les services municipaux, notamment les services jeunesse, culture et social. Donc c'est le but d'adhérer à cette ludothèque. Madame Guillemot. Oui, bonsoir. J'avais une petite question par rapport à la cabane de jeux qui est située à Mazet. Actuellement, nous avons sur Beaufort une association aussi de jeux. Et je voulais savoir si vous aviez discuté avec elle, savoir si vous aviez évoqué des projets avec elle avant peut-être d'aller voir dans une autre commune. Et de mémoire, je pense qu'elle travaillait déjà avec Capado depuis 2005. Alors, il n'y a pas forcément eu de démarchage vis-à-vis de cette association dont vous parlez, qui n'est pas nommée, mais c'est laquelle ? C'est l'Antre du Dragon. D'accord. Il faut savoir que ça fait... Je pense depuis très longtemps, la commune de Beaufort travaille avec la ludothèque, puisque à la base, la ludothèque, je crois me rappeler que c'était créée par la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou à l'époque. Donc elle est transférée de fait à Mazet, puisqu'elle était localisée sur Mazet. Il faut savoir que l'adhésion se questionne aujourd'hui, disons, se formalise officiellement aujourd'hui, puisque depuis des années, on collabore avec la ludothèque, mais sans qu'il y ait eu une délibération de prise. Donc aujourd'hui, on formalise ces délibérations. En fait, c'est ça. Ça n'empêchera pas peut-être d'aller voir ce qui peut être proposé localement, mais on travaille avec cette association depuis toujours, en fait. Puisqu'avant, elle était l'œuvre de la collectivité communauté de communes Beaufort-en-Anjou. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Ça n'empêchera pas de voir ce qui se passe ailleurs, ça c'est sûr. Mais là, on officialise cette adhésion qui n'avait pas été faite.
D'accord. Donc j'entends bien, donc je suppose que, comme vous l'avez dit, vous irez peut-être aller voir quand même cette association, et peut-être qu'il pourrait y avoir une entente aussi avec cette ludothèque, cette association, voire plus loin, pour lui permettre aussi de vivre, et puis de se faire connaître aussi, peut-être. C'est entendu, et c'est à voir ce qui est proposé et ce qui peut être fait. C'est entendu. Ce soir, on parle de la cabane à jeu. Monsieur Belmont, oui. Oui, je rebondis sur ce que vous dites. C'est intéressant, du coup, de savoir que ça existe depuis très longtemps. Et est-ce que, justement, la cabane à jeu pourrait pas devenir, justement, faire partie de l'entente, puisque si le point de départ était celui-là, du coup, et chaque commune serait adhérente de façon automatique et on se poserait pas de problème. Et du coup, les quatre communes auraient toute satisfaction de pouvoir travailler avec cette association de l'entente. La cabane à jeu, c'est une association, c'est pas un service communal comme tous les services, comme par exemple Capado, Enfants Jeunesse ou des choses menées par la commune. Là, c'est une association. C'est une association. Association 1901, ils sont autonomes. Donc, après les intégrer, je ne vois pas la question. Après, je laisse les maires de l'entente en discuter. Non, mais ça appartient pas à l'entente. Je veux dire, c'est une association basée à Mazé qui rayonne dans l'entente et peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas. Oui, monsieur Belmont. Non, je sais bien qu'elle n'appartient pas à l'entente. Ma question était simplement de se poser la question, est-ce que ça pourrait pas faire partie de l'entente et que chaque commune, justement, chaque municipalité puisse... Ça veut dire quoi, faire partie de l'entente? Par rapport à l'entente, pourrait subventionner, par exemple, et en contrepartie, oui, chaque commune aurait la possibilité d'emprunter des jeux par rapport à ce qu'on vote aujourd'hui. Non, j'entends bien, mais là, il n'y a pas de subvention à la ludothèque. Enfin, de la part de la commune de Beaufort, mais peut-être qu'ils touchent de l'argent du point de vue mazéen, mais ça, je ne sais pas. Sinon, vous pensez à un genre festibus, les associations qui travaillent pour l'entente, et qui sont subventionnées par l'entente, qu'on va voir un peu plus loin, là. Mais ce n'est pas du tout ce schéma-là, là. On ne les subventionne pas, là. Oui, madame Guillemot. Quand vous parlez du Festibos, en effet, ça pourrait être vu de cette façon-là par rapport à cette cabane à jeu et par rapport à cette association. Mais ils ne font pas de demande pour des subventions comme le font les associations dont on va parler après. Là. Il y a des... Non. Oui, madame Couchet. Oui, Eliane, je voulais simplement dire que c'est une association. On ne va pas demander à une association de faire partie de l'entente. Ils vivent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de l'entente pour vivre. Monsieur Minon. Oui, concernant la culture, l'entente finance 4 associations, voire 5 même. On va voir dans le point 12. Dans le point 12, il y a... Le jardin de la cousine, ça fait un. Il y a la Mazette, oui, mais... hein, le nouveau, le NTP, ce sont des associations. Oui, mais c'est pas... Donc, d'un côté... La cabane à jeux ne nous demande rien. Ils vivent tout seuls, ils arrivent à vivre comme des grands. Mais tant mieux. Oui, mais si la commune de Beaufort-en-Anjou a un besoin... On a estimé que c'était intéressant d'aller leur chercher des jeux plutôt que d'en acheter. Ça pourrait permettre de faire rentrer l'entrée du dragon dans l'entente. On n'est pas là. Moi, je suis pour. Ils travaillent bien, ils ne nous demandent rien, laissons-les. Il y a des bonnes relations avec eux depuis 15 ou 20 ans, j'en sais rien. Donc là, on fait simplement que d'officialiser les rapports que nous avons avec eux. Voilà. On n'a pas d'ingérence. Bien. On passe au vote ? Oui, monsieur Prud'homme. J'ai la délégation d'Armel Génon qui fait partie de la cabane à jeu, donc il ne votera pas. Je ne vote pas en son nom. La délégation pour ? De Armel Génon qui fait partie de la cabane à jeu, donc je ne voterai pas en son nom. Tu votes qu'une main. Donc c'est un non-vote ou... Comment ça ? C'est porté. Non, participation au vote.
quand tu appelles. Déporte. Non participation. Non participation. Ah, oui, déporte. Donc je note que M. Armel Génon, représenté par M. Régis Prudhomme, se déporte. Voilà. Donc, qui vote contre? Il y en a encore une. Quelqu'un d'autre? Ben, ça fait un vote de moins, faut noter dans le compte-rendu qu'il y a M. Ludovic qui a quitté la salle et donc il ne participe pas au vote. Alors, qui vote contre? Abstention? Alors, M. Morin, que votez-vous? Alors, qui vote contre? Abstention? Et pour, donc, à l'unanimité, moins un vote de M. Armel Genon, qui est déporté. Voilà. Qui s'est déporté. Ouais, c'est mieux. subvention à la halte garderie des Guémineux pour l'année 2024. Madame Maignan. La halte garderie des Guémineux est installée dans les locaux de la maison de la petite enfance de la commune de Beaufort-en-Anjou. Il s'agit d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, agréé pour accueillir 18 enfants de 2 mois à 4 ans et géré par l'association Famille Rurale. La commune a engagé un partenariat par le biais d'une convention approuvée en conseil municipal par délibération du 12 septembre 2022 avec l'association Famille Rurale pour le suivi et la gestion de cette structure. Comme le mentionne la convention, la collectivité accorde une subvention pour le fonctionnement du service sur présentation du budget réel. La subvention annuelle communale est accordée en plusieurs versements, deux acomptes d'une somme de 10 000 euros et ajustée en fin d'année civile en cohérence avec le budget réalisé de l'association solde en janvier N+1. Ce dernier versement est conditionné par la présentation des comptes réalisés en 2024. La convention stipule que le calcul de la subvention s'appuie sur l'équilibre budgétaire en fonction des données réelles et ajustées fournies par l'association. La commission Enfance Jeunesse, réunie le 20 mars 2024, a validé le montant de 21 640 euros pour cette année 2024, qui pourra être revue selon les éléments chiffrés fournis par l'association Famille Rurale. Est-ce qu'il y a des questions? On va Oui, monsieur Leger. Non, ce n'était pas des questions, c'est surtout, c'est un constat que Famille Rurale, on peut voir... tient bien ses budgets, fait bien les choses, et qu'on peut les féliciter pour leur bon fonctionnement, et malgré toute la conjoncture qu'on a pu tenir, à connaître avec toutes les augmentations et tout, ils sont vraiment attentifs à maintenir le budget et tout, comme on a pu le constater en commission. C'était clair que les choses sont très bien, et il faut les féliciter. Ok, oui. Merci, monsieur Leger. Ces propos, je tenais à les dire, mais je l'aurais fait simplement après le vote. Je pense que c'est plus en cohérence avec le vote. Il faut savoir que cette somme a été réestimée en espérant. Ils espèrent avoir un taux de fréquentation encore plus élevé. Donc, plus le taux de fréquentation de la halte est élevé, plus la participation de la CAF est signifiante aussi. Donc, ils espèrent avoir un taux, atteindre les 68%. Le premier budget était de l'ordre de 61-62%, ils espèrent le monter. Mais si jamais il y avait une baisse de fréquentation pour des motifs qu'on ne peut pas appréhender, cette somme pourrait être revue pour le troisième versement de l'acompte, quoi. Mais il est vrai qu'il le gère avec beaucoup de rigueur. Et quand on voit les sommes qui sont allouées, c'est une subvention qui n'est pas du tout à la hausse. Il faut quand même le savoir. Puisque l'an dernier, les années précédentes, ils ont eu 32 110 euros, par exemple. Donc, ils essaient de voir avec beaucoup de rigueur le montant qu'ils demandent. Et on peut les remercier pour ça, parce que c'est une structure... bien gérés, ils ont des difficultés aussi, des charges de personnel qui sont très lourdes,
Ils ont revu cette année leur convention collective. Ils ont, de par leur statut, ils sont obligés de prendre une autre convention, donc ce qui a augmenté leur budget. C'est un budget de 200 000 euros qu'ils gèrent, hein, pour la halte garderie. Et ensuite, donc ça, il y a des charges importantes par rapport à ça, mais c'est une structure qui, chez nous, est très importante parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les tout petits, et voilà. Donc, merci à cette association pour le travail effectué au service des familles. Merci. Je procède au vote. Donc, qui vote contre ? Abstention. Merci. À l'unanimité, la délibération est acceptée, adoptée. Indemnisation suite à un accident au musée Joseph Denet survenu le 26 mars 2022. Monsieur Baudry. Donc le 26 mars 2022, un accident est survenu au musée Joseph Denet, 5 place Notre-Dame. Lors d'une visite avec son petit-fils de 4 ans, Madame Branchot a été blessée. Les faits, comme ils ont été retenus, dans le cadre d'une animation du jeu de loi organisée par le musée, l'enfant a ouvert un tiroir d'un meuble vitrine et s'est enfilé, basculé, s'est tombé sur Madame Branchot, la déséquilibrant et la faisant chuter. Le meuble a été stoppé dans sa chute par une autre partie du mobilier. Néanmoins, Madame Branchot a été légèrement blessée et a dû consulter un médecin. Les caméras de la salle étant en service, il n'y avait ni image, ni... Ben, on n'avait pas complètement pas d'image, quoi. Selon les expertises, il y a eu des expertises, notamment Stélian expertise le 21 septembre 2022, il est clairement établi que la responsabilité de Mme Branchot n'est pas engagée, le meuble présentant un défaut de fixation. Le procès verbal de constatation aux causes et circonstances, établi par GAN et de Mme Branchot et Groupama Polyexpert, assureur de la commune, a établi un constat d'un accident dû à un défaut de fixation du meuble. La collectivité a reçu une mise en demeure de GAN Assurance le 23 janvier 2024 pour indemniser Mme Branchot à hauteur de 2668 euros, répartis pour les raisons que vous voyez notées. Or, à la suite de la demande de la collectivité, la PNAS, assureur de responsabilité civile de la collectivité, a adressé un refus d'indemnisation le 18 mars. Selon l'assureur, le meuble ne présentait aucun défaut, ce qui était le contraire des estimations d'avant. L'assurance ne prenant pas en charge ses frais, je vous propose d'octroyer à Mme Branchot l'indemnité demandée afin de la dédommager pour cet accident. Donc il vous appartient d'en délibérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Madame Turc. Oui. Oui, je connais ce problème puisque j'étais présente et je me suis occupée de ce dossier. Donc j'ai fait la déclaration en temps et en heure. Mmh. Et en fait, quand moi je vois 2500 euros réglés par la commune, alors que Or, à la suite de la demande de la collectivité, l'assureur responsabilité civile de la collectivité a adressé un refus d'indemnisation le 18 mars 2024. Selon l'assureur, le meuble ne présentait aucun défaut et la responsabilité de la ville n'était donc pas engagée. Et c'est vrai que ce dossier a été bien mené par Monique Laurent à cette époque-là. Je vous confirme. Et en fait, moi, je pense que j'ai eu plusieurs fois cette dame au téléphone, hein, qui ne présentait pas trop de problèmes. Et en fait, là, puisque l'assurance, elle a reconnu que le meuble n'avait pas de défaut, la responsabilité de la ville n'était donc pas engagée, je ne comprends pas pourquoi la commune doit régler 2500 euros. Alors, on peut choisir d'aller en jugement et en procès pour la demande de Madame Branchot. C'est un choix qu'on fait. Il y a un débat entre experts qui n'est pas clos, mais la dernière conclusion qu'on a eue, c'est qu'il y a un engagement de la commune par rapport à un meuble qui n'aurait pas dû, parce qu'en fait, les meubles de musée doivent être en acier ou en bois. Il ne doit pas y avoir aucune pièce plastique. Sauf que ce meuble-là avait une pièce plastique d'usure, qui n'est pas recommandée par les musées de France. Donc, on n'aurait pas dû avoir un meuble avec une pièce plastique. Comme on avait un meuble avec une pièce plastique non agréée au Musée de France, la responsabilité de la commune est engagée.
Je ne comprends pas, parce que l'assurance, là, elle dit bien que... Et en fait, le meuble était quand même bien scellé. Non, ce n'est pas un problème de... Par contre, les tiroirs ont été ouverts, normalement, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui... Oui, vous avez... Alors, et c'est vrai que il y a, les caméras ne marchaient pas, mais par contre, bon, il n'y avait peut-être pas assez de personnel dans la salle à ce moment-là. Je pense que... Ah non, elle a reconnu et l'assurance reconnaît qu'elle a été très bien prise en compte par les agents municipaux du musée. Ah ben tout à fait, ça parce que moi, d'abord, je suis arrivée tout de suite. Bien sûr, oui. J'étais présente tout de suite et voilà. Mais au moment du fait, apparemment, voilà, elles avaient le dos tourné. Donc, mais je vous confirme que le meuble avait une pièce plastique d'usure qui n'est pas recommandée par les musées de France. C'est-à-dire que le musée de France réclame que les meubles soient bois et acier sans pièce plastique d'usure. Bon, c'est la faute à personne, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme il y a une pièce plastique d'usure qui n'est pas recommandée par les musées de France, on a une partie de responsabilité. Alors on peut choisir, si vous le souhaitez, d'aller en jugement avec avocat et tout ça. Il y a une solution à l'amiable qui nous est proposée que moi j'ai décidé, avec l'appui du bureau municipal, d'accepter. Mais j'entends bien. Alors si, j'entends bien. Voilà. Mais c'est une décision que voilà. Je pense que c'est quand même bon, c'est pas normal puisque en fait. Vous avez raison, c'est pas normal. Vous avez raison. Le résultat de l'assurance est que la responsabilité de la ville n'est pas engagée. Oui, mais on va rentrer via un jugement pour laver, donc il faudra solliciter des avocats et le coût des avocats c'est très cher. Ça peut te coûter plus cher, c'est vrai, je suis bien d'accord. Mais. C'est ça le sujet, je crois. C'est ça. C'est le sujet. Là, c'est pas. Il y a deux positions. Au-dessus, on dit qu'il est mal fixé. En dessous, on dit que ça va bien. Et c'est les assurances respectives. Donc, c'est celui qui va trancher, c'est un juge. Et ça va nous coûter beaucoup d'argent. Ou alors, à l'amiable, et ça nous coûte que, entre guillemets, 2500 euros. Oui, monsieur Leget. J'entends ce que vous dites, et puis. Mais moi, ce qui me surprend, c'est quand même des avis divergents. On peut voir d'experts qui. Voilà. C'est une histoire d'experts. À un moment, comme vous dites, le juge, il va trancher envers un expert ou un autre, mais malgré tout, il va indirectement condamner une assurance ou une autre, ou débouter la personne. Mais. Nous se mettre à la place parce que le juge, même s'il dit que le meuble avait une difficulté, après c'est l'assurance qui sera obligée d'assumer le paiement. Donc se substituer à l'assurance, c'est quand même dommage, surtout qu'on entend quand même régulièrement qu'on n'a pas forcément des finances très riches. Donc voilà, se substituer à l'assurance. Au bout du jugement, ce sera une des assurances qui va payer. Oui, je te donne raison. Le risque, il est très simple. De par mon expérience professionnelle, un juge entre une personne morale et une personne physique fait toujours payer la personne morale à 90%. Donc le risque, c'est qu'on paye et en plus qu'on paye les avocats. Donc on a deux risques de paiement supplémentaires. Oui, Madame Turc. Alors, moralité, il faut qu'il y ait du personnel dans le musée. Ça, c'est pas à négliger non plus. C'est pas à négliger non plus. Et les tiroirs de ce meuble ne sont toujours pas remis. Tout à fait. Merci. C'est bon. Madame Guillemot. Excusez-moi, nous décidons de ne pas prendre part à ce vote, parce que vous comprenez bien que pour nous le sujet est complexe et on voudrait avoir plus d'informations, plus de choses dessus. Et nous pensions, nous, que les assurances, en fait, devraient plutôt, je suis complètement d'accord avec mes collègues, au niveau des assurances, on devrait d'abord aller voir un peu plus loin. Voilà. Bon, ben je signalerai à Madame Branchot que vous avez refusé de participer au vote. Bien, on va voter alors. Qui vote contre ?
Personne. Abstention. Alors, je ne sais pas. Et mais alors, et qui vote pour alors le reste? Mais j'ai pas compris. Vous participez au vote? Donc il y en a 5. Donc il y a. Ah non, pas. On participe pas. Donc j'ai personne ne vote contre, une abstention, le reste moins 5 votants pour. C'est noté ? Ouais. Donc la délibération est adoptée. Subvention de l'Entente Vallée aux associations culturelles. Monsieur Baudry. Depuis la création de l'Entente Vallée, les quatre communes accompagnent les associations et les structures culturelles. Donc chaque commune de l'Entente Vallée participe à ce financement à la hauteur des clés de refacturation de l'Entente Vallée, au prorata de la population. Pour 2024, quatre associations sont accompagnées. Ces associations présentent des projets complémentaires dans quatre communes différentes, avec une attention particulière pour la dynamique de l'ensemble du territoire de l'Entente Vallée et une volonté affichée de rendre accessible la culture au plus grand nombre. L'association La Bosse de Beaufort-Nanjou organisera son prochain festival, le 6 juillet. Les succès des années précédentes confirment l'installation d'un événement autour de la musique actuelle, populaire et transgénérationnelle, puisque l'ouverture se fait avec un spectacle pour jeunes publics. En 2023, près de 1000 festivaliers étaient présents. En octroyant une subvention de l'entente à la hauteur de 5 000 €, les élus de la commission Entente Culture souhaitent que l'association recherche un équilibre des dépenses et des recettes, notamment entre les entrées au festival et à la buvette. En fait, on estime que l'association n'a pas, comment dire, un trésor de guerre suffisant s'il y avait un week-end pluvieux avec orage, etc. Donc on lui a fait la remarque que ce serait intéressant qu'elle cherche de retrouver un équilibre de dépenses et de recettes pour avoir un peu de trésor de guerre, entre guillemets, si par hasard il y avait une année avec pas d'activité du tout, quoi, à cause du climat. Et ils nous ont bien entendu et ils sont en train de réfléchir à ce point-là. Voilà. L'association Nouveau Théâtre Populaire des Bois d'Anjou, ça je ne vais pas vous la représenter, parce qu'on va être à la 16e édition, toujours plus près de 10 000 spectateurs. La troupe s'est diversifiée entre création et pédagogie. On va faire une participation annuelle de 6 000 euros des communes de l'Entente. Je précise aussi qu'il y aura une activité atelier théâtre pour les collégiens et les écoles, pour un budget de 9 200 euros pour le NTP. Mais ça, c'est en plus, voilà. L'association Mazette, bon, je précise aussi que La Bosse souhaiterait intervenir, comme elle l'a fait d'autres années, dans d'autres territoires, dans d'autres communes du territoire de l'Entente, mais malheureusement, pour les problèmes financiers, ils n'y arrivent pas. Mais on espère qu'ils vont retrouver un peu de santé financière pour retrouver à nouveau les autres communes. L'association Théâtre Populaire agit dans toutes les communes de l'Entente. L'association Mazette de Mazémillon organisera pour la 4e année, le 26 et 27 juillet, un festival de musique et de projection de courts-métrages en plein air sur Mazémillon. Ce projet, porté par un groupe de jeunes femmes engagées, est également subventionné par la commune de Mazémillon. Il représente une nouvelle offre complémentaire sur l'entente, en favorisant l'investissement des jeunes dans la vie culturelle du territoire. Accueil du loisir, CAPADO et CMJ. Donc il y a une véritable action territoire. Pour la 3e édition, le nombre de festivaliers a augmenté de 45%, passant de 900 à 1300. Ce qui justifie une subvention de 1 300 euros afin de pérenniser le projet. L'association a également fait une demande de subvention auprès du département et de la région. L'association Le Jardin de ma cousine de la Ménétrée, créée en 2019, objectif de créer un tiers-lieu multithématique en mettant en place des ateliers et des spectacles. Elle organisera le 29 et 30 juin deux journées sous forme de tiers-lieu éphémère, sur le même modèle que celui créé en 2022, avec une programmation éclectique. Concerts, bal, théâtre, clown, danse, tissage, etc. Zéro déchet, bien sûr, en proposant une subvention à hauteur de 900 euros qui complète celle de la ville de la Ménétrée. Les élus de l'entente précisent qu'il s'agit d'une aide pour la première année, comme on avait fait un petit peu, où on avait versé à Mazette la première année, je crois, 600 euros. Voilà, c'est une première année, puis après on va délibérer ensemble pour la prochaine. Voilà, je vous appartiens d'en délibérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Madame Chausse-Pied. Je vais voter au nom de Amandine, mais je ne vais pas voter pour moi parce que je fais partie du collectif de gestion
du jardin de ma cousine. Ouais. D'accord. Voilà. Monsieur Leger. Non, c'était pas une question, mais juste dans la présentation de la délibération, parce que on voit bien à la fin, après avoir délibéré, décide d'attribuer une le conseil municipal de Beaufort. Alors oui, c'est porté par Beaufort sous la version, et ça, on l'a bien entendu. Décide de voter, bon, les différentes sommes que tu as dit, Benoît. Par contre, j'aurais bien aimé avoir le tableau des parts des communes indirectement. Parce qu'on va, alors c'est au prorata de la population, mais prorata sur 5000, le prorata de la population, ça nous parle pas là directement. 41. Tu vois ce que je veux dire? Un tableau avec ce que alors, en fait les 5000 représentent pour Beaufort, pour Mazé. Pour Beaufort, c'est assez simple. Je crois, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est 42%. Non, c'est 40,86% pour la commune de Beaufort. Le maire a raison. Non, mais voilà. C'est juste pour le visuel, malgré tout, quand on publie après le conseil, pour les habitants, même 42%, entre guillemets, ça parle pas. Si on peut mettre une somme, voilà, tant pour Beaufort. Après, si on détaille pas les autres communes, mais au moins ce que ça représente pour Beaufort. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée pour l'année prochaine quand on le refera. Tout à fait. Merci. Bon, on va voter, c'est bon. Donc, qui vote contre ? Abstention ? Merci, donc la délibération est adoptée. Convention de partenariat avec l'OKBV. Madame Penn. L'association OKBV, l'Office du commerce et de l'artisanat de Beaujouin-en-Vallée, est composée d'acteurs locaux dans le but est de mutualiser leur action afin de faire perdurer un commerce de proximité s'adaptant à de nouveaux modes de réflexion des consommateurs. Un site internet acheté en Beaujois-Vallée regroupe l'offre des commerçants, producteurs et artisans de Beaujois-Vallée et des chèques cadeaux sont proposés à la vente. Les professionnels souscrivent à un pack utilisateur avec 3 niveaux de prestations. Créée à Beaujeu-en-Anjou en 2015, l'association s'est étendue en 2018 à Beaujois-Vallée en proposant aux autres communes d'adhérer à l'association afin que leurs commerçants et artisans puissent bénéficier de l'accompagnement de l'OKBV pour favoriser leur développement et la promotion de leur activité. La commune de Beaufort-en-Anjou a signé une convention d'adhésion et de partenariat avec à l'OKBV depuis 2020, afin de soutenir les commerçants de Beaufort-en-Anjou, favoriser le développement économique du territoire et l'emploi local. Je vous propose de renouveler cette convention qui stipule notamment une participation financière de la collectivité d'un montant de 60 centimes TTC par habitant, soit une cotisation totale de 4 287,60 TTC, ce qui est pour 7146 habitants, chiffre en vigueur au 1er janvier 2024, pour l'exercice en cours. Il vous en appartient d'en délibérer. Des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Didier ? Monsieur Leger. Oui, ma question, bon, c'est l'OKBV, on l'a mis en place déjà il y a depuis quelques années. J'aimerais savoir où on en est, par contre, au niveau des commerçants qui participent, qui bénéficient de ces avantages sur Beaufort, si on a un chiffre à peu près, voir si ça évolue, si ça stagne, si ça diminue. Voilà. Justement, actuellement, on a une petite dizaine. Et donc cette nouvelle formule qui leur permet d'avoir la gratuité pour l'annuaire, c'est-à-dire une vitrine de leur commerce sur le site de acheté en Beaujois-Vallée. Donc c'est un plus. Donc là, on va justement motiver les commerçants de s'inscrire. C'est gratuit. Et ils ont aussi la possibilité d'avoir les chèques cadeaux. Donc, l'OKBV qui va faire son tour de tous les commerces. C'est-à-dire qu'avec les chèques cadeaux, avec notre adhésion, c'est gratuit pour eux d'encaisser les chèques cadeaux. Il n'y a pas de frais de transaction financière. Ça va être gratuit. Donc, à la précédente réunion qu'on a eue il y a un mois, là, ou un mois et demi, bah, ils étaient très intéressés du fait que c'est gratuit. Et ça intéresse l'OKBV et puis nous. C'est donc
Vous avez bien compris que c'est la proximité, hein, c'est le commerce territorial de proximité. C'est qu'il faut que, pour que ça marche, chaque cadeau, il faut à la fois, quand on a un chèque cadeau, il faut savoir où le dépenser. Donc, si c'est gratuit, il y aura beaucoup de commerçants, restaurants et autres qui pourront ouvrir, enfin, accepter les chèques cadeaux. Et puis, de l'autre côté, il y a une démarche qui sera faite par l'OKBV auprès de ceux qui achètent les chèques cadeaux, c'est-à-dire les entreprises, les particuliers aussi, les collectivités. Il faut que ça fasse masse pour que ça marche. Donc la proposition de gratuité auprès des commerçants, ça veut dire que déjà les gens qui achètent ou qui donnent des chèques cadeaux à leurs salariés, ils sauront où les dépenser. Alors juste à titre informatif, une société peut donner par an et par salarié 193 euros. Et c'est exonéré des charges sociales. Donc ça peut être intéressant pour un patron de remercier ses salariés par des chèques cadeaux. Non, mais on est convaincu du processus et du projet, mais c'était de voir où on en était dans la participation, et d'autant plus si maintenant leur accès est gratuit, ça devrait monter encore en puissance, et c'est que bien du bien pour le commerce local. C'est ça. Je passe au vote. Qui vote contre ? Ah, pardon, Madame Turc. Est-ce que la municipalité peut donner un chèque cadeau aux agents ? Oui. D'accord, c'est une bonne idée. Oui, monsieur Belmont. Non, je prolonge. Est-ce que les chèques cadeaux, du coup, donnés par le centre social, c'est la même chose ? On pourra le faire, enfin, on verra. Oui, parce que ça pourrait être intéressant, du coup, d'encourager. On verra d'ici là. Non, pour le moment, mais ça peut être intéressant, effectivement. Les années passées, c'était pas ça, mais ça peut être. C'était pas le cas parce que ça avait été une décision prise un peu tardivement et le temps d'organiser, mais ça peut être pour l'année prochaine. Enfin, pour la fin de l'année. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Abstention ? Merci, la délibération est adoptée à l'unanimité. Donc nous avons terminé l'ordre du jour concernant les délibérations. J'ai quelques informations à vous passer. Il y avait le vide-grenier et il y a le CMJ qui avait récupéré des jouets et qui les vendait. Donc il a fait une recette de 202 euros. Voilà. Le festival Festipousse est proposé du 20 mars au 20 avril. A accueilli 1428 jeunes. C'est pas mal. Hein. Le dispositif argent de poche, il reste encore quelques places. Les jeunes âgés de 16 à 17 ans peuvent s'inscrire jusqu'au 31 mai. Les missions se dérouleront entre le 13 juin et le 23 août. Il y a eu une coupe de la robotique et les jeunes du Cap Découverte ont décroché la 28e place sur 60. Le conseil municipal des jeunes lance Beaufort a un incroyable talent. Les habitants sont invités à les découvrir samedi 22 juin au cinéma-théâtre. Voilà. Alors demain, 28 mai, il y a le passage de la flamme olympique à Baugé. C'est demain à 8h30. La coupe de l'Anjou de badminton a eu lieu samedi 25 mai aux Esquisseaux. C'est la Coupe de l'Anjou, hein, c'est ça ? Oui, Coupe de l'Anjou, finale de Coupe de l'Anjou. Et juste pour information, donc c'est Cholet qui a remporté la Coupe de l'Anjou. D'accord, merci. Le bureau de tourisme à Beaufort-en-Anjou est ouvert. C'est du mardi au samedi de 14h à 17h30 et le mercredi jour de marché. Alors, je rappelle, et c'est important, très important, les élections européennes auront lieu le 9 juin de 8h à 18h. Il n'y a qu'un tour. C'est important. Pour les vacances d'été qui ont commencé, les inscriptions ont commencé, pour les séjours et tickets fun, il y a déjà eu 342 demandes qui ont été traitées par le service jeunesse. Voilà. Juste une chose, la précision, Festipousse, c'est exactement 1428 jeunes. C'est ce que j'ai dit, 1428. C'est ce que t'as dit. J'ai eu peur de ne pas entendre ça. 1428. C'est pas mal, 1428. Oui, monsieur Leger.
Oui, moi je voulais juste rapporter une précision sur Beaufort, un incroyable talent, parce que vous avez dit la représentation aura lieu le 22 juin, tout à fait, pas de souci, mais il est encore possible de s'inscrire pour présenter ces incroyables talents, je crois que c'est jusqu'au 5 juin, sauf erreur. C'est vrai que ça avait été annoncé un peu plus tôt, c'est agrandi un petit peu, et donc... Si des gens nous entendent et qui ont des incroyables talents, nos jeunes attendent avec impatience leurs vidéos et pour les voir se présenter le 22 juin. Okay. Madame Guillemot. Oui, je voudrais juste revenir sur un petit point là, qui m'avait un peu tracassé après le dernier conseil municipal. C'était quand Monsieur Cellier, vous nous avez parlé d'amiante dans la toiture du chambre. Alors je sais que c'est un sujet que vous n'aimez pas qu'on aborde, mais je voudrais... Vous nous avez, quand j'ai relu le procès-verbal, en fait, je me disais que c'était vraiment que vous laissiez sous-entendre, en fait, que c'était bien dans toute la toiture. Nous sommes bien d'accord avec ça. C'est une partie des toitures qui sont amiantées, les deux tiers à peu près. Alors, j'aimerais savoir, parce que vous avez l'air sûr de vous, est-ce que vous avez un document qui pourrait nous être transmis pour qu'on puisse enfin savoir si vraiment c'est deux tiers ou pas deux tiers? On va vous transmettre un document, mais je suppose que vous avez dû étudier la toiture pour proposer la pose photovoltaïque sur la toiture ou la charpente. Est-ce qu'elle peut supporter des panneaux? Je pense que vous avez tous les éléments, mais on va vous les transmettre. Moi, j'aimerais bien les avoir. Et puis, de toute façon, je pense que Maître Mété, vu que vous êtes propriétaire, monsieur le maire du Chanvre, a également les documents. Donc, elle peut aussi nous les donner, puisque je l'ai contacté pour les avoir. Je ne sais pas quand vous avez acheté le champ. Normalement, on aurait dû vous fournir le DTA, le document technique amiante. Bon, il n'est pas dans notre dossier ici. Enfin, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Eh bien, je vous le dis, il est avec Maître Mété. Vous pouvez aller la contacter. Oui, si, on l'a contacté. Mais donc, nous, si. Qui sommes les propriétaires, comme vous l'avez rappelé, on devrait en être... Donc, vous pouvez la recontacter pour les avoir. Donc, je pense qu'on pourrait les avoir. Et enfin, tout le monde saurait sur combien de parcelles l'amiante est mis sur les toits. Madame Chausse-Pied. Je vais pas revenir sur le chanvre, parce que le principal problème, c'était le prix d'achat qui nous a bien ruinés. Donc voilà. Non, moi, je voulais revenir sur le CMJ. Par rapport à ce que tu disais, Alain, on a récolté 202 euros. Oui. Et remercier toutes les personnes qui ont fait des dons, parce que c'était ça, en fait. C'est les écoles qui ont fait qu'on récoltait des jeux, et puis la bibliothèque aussi qui a donné des livres qu'on a pu vendre, des très beaux livres. Et remercier donc Mathieu, hein, qui fait un super travail avec Monsieur le CNJ. Hein, voilà. Remercier les élus qui sont venus vendre, donc je parle des élus du CMJ, hein, et puis dire qu'en fait ce sera reversé au mécénat du CHU pour le service pédiatrique. Il y a des projets, on peut trouver ça sur le site du CHU, vous tapez mécénat et puis il y a les différents projets, et donc ça servira pour l'achat éventuellement de jeux et de matériel artistique, et ça avait été proposé par une élue du CMJ. Voilà, donc merci à tous et à toutes. Ok, merci. Bien, ben je clôt à 22h08 le conseil municipal. Voilà, bonne soirée.